Hey, salut, comment ça va? Suis défoncé de fatigue. Salut Grosse Tom, salut Lexwing, salut Spider-One, salut Soren Fox, le Black Badwin, salut Morlaer, je suis fatigué. Salut Gaston. Putain, mais en fait, c'est de la tectonique. Ils dansent la tectonique en vrai. Par contre, leur chapeau, c'est un peu possible, hein. C'est affreux quoi. Merci Spider-One. Ouais, je suis explosé. Explosé. J'ai mal dormi. Putain, mais leurs genoux, rien ne va quoi. On peut monter là ou pas? J'ai oublié de prendre une photo, hein. Mal ça. Ambiance, tu vois, nightclub. Peut-être comme ça, tu vois. À la cyberpunk, tu vois. Même un peu de symétrie, tu vois, pour être. Merci Zénon. C'était vraiment dur hier. Ah! C'est vrai, ça vous a plu? J'étais très fatigué. Enfin, j'imagine que Spider-One, il n'est pas objectif parce que il a été sub, il a été capitaine d'un navire. Mais ouais, bah maintenant on a fait. Bah, je peux vous spoiler un peu, mais en gros, le prochain épisode, il se passe sur Ibizaïon 200 ans plus tard, quoi. Mais tu vois, il l'aurait appelé Planète Prout, ce sera sur la planète Prout, tu vois. Donc, Dieu merci. Mais ouais, on s'éclate. Alors je crois que mes parents sont là. C'est qui lui? Pourquoi il transporte un bagage? Ouais, je suis d'accord. Avant d'essayer de la drogue, on va voir où sont mes parents. Là, ils sont là. Bah alors? Ah putain, je crois que c'était mon père qui me parlait de ça. Bah coucou hein. Moi non plus. Hey, je vous ai pris en flag. Hey les parents. Hey. C'est vrai? Ça vous a plu à Payot? Ça fait plaisir. Bah en fait, je sais vraiment pas trop. Les retours sont très partagés. C'est-à-dire que premier épisode, les gens ont dit ouin ouin, il n'y a pas la table. Les plans de cam sont pas bons. On remet la table. Il y a des gens qui disent non mais finalement sans la table c'était bien. Ok. Et là, les gens se disent, ouin, ouin, mais c'était pas une aventure classique, tout ça. C'est fatigant, tu vois. Je sais pas trop. C'est si important que je fasse ça, je pense. Non, mais je voulais que ce soit fait. Parce que ils vont bien y réfléchir. Et ils peuvent changer d'avis, tu vois. Ils peuvent changer d'avis au dernier moment. Mais moi j'ai besoin que ça soit lancé, tu vois. Et tu vois, si Lydia a des regrets, elle dit ah bah non, j'aurais trop voulu être un enfant, tu vois. On peut changer d'ici là. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Mais j'essaie de faire. Il y a un truc qu'on peut pas nous reprocher, c'est qu'on essaie de faire des choses nouvelles, tu vois. Je vous cache pas aussi que Game of Thrones, il faut que je fasse un gros débrief Game of Thrones, mais que Game of Thrones. En fait, dans la campagne Game of Thrones, il y a deux actes. Le premier acte, il s'appelle La mort du soleil. Donc on l'a vu. Et le deuxième acte s'appelle Le retour du soleil, tu vois. Mais le deuxième acte commence à l'épisode 3. Il va durer plein plein. Mais on essaie de faire des choses différentes à chaque fois. Voilà. Je vous ai pris en flag! Moins, l'un d'entre nous passe un bon moment. Qui ça? Ta mère
de nicher une sacrée bonne affaire. Des vacances tout frais payées à Néon. Mais comment ça? C'est un cadeau de retraite. Tout le monde a entendu parler de l'Astral Lounge. Merci beaucoup. Bah oui, mais à Payot, et tous les choix sont très très importants, tu vois. Le fait, par exemple, qu'ils aient développé les pouvoirs psy, ça va avoir un impact. Le fait que Ectolien soit un mec très vénère, tu vois. Ça donne une... Enfin, tu vois, la Ligue des Planètes Extérieures, elle va vraiment être sur la carte. Il y a une grande carte d'un univers. Et en fait, s'ils avaient été hyper sympas en mode, hey, c'est la fête, tu vois. Mais aujourd'hui, la Ligue des Planètes Extérieures, c'est un endroit avec un président immortel. Tolérance zéro, sauf pour le cannabis, a priori, tu vois. Donc c'est très intéressant. Ça donne beaucoup de cachet, tu vois. Merci beaucoup. Ah, vous êtes vraiment sympa. Ça me fait vraiment plaisir. Putain, j'étais un petit peu déprimé parce que je suis très très fatigué et je suis pas très hydraté. Mais ça me fait du bien, quoi. Vous avez pris de la drogue? Absolument pas. Ouais, tu parles. Enfin, probablement pas. Ah, quoi? Non. Attends un peu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, ça répond à des questions par des questions. Il se passe jamais rien de bon ici. Je vis depuis assez longtemps pour le savoir. Salut Tony. Je suis là pour une raison, fils. Je suis bien pour me décontracter. Tu es adulte désormais. T'es capable de prendre tes propres décisions, hein? Un président qui est tolérance zéro. Je pense que ce serait pour le mieux, mon poussin. C'est tout? Je ne suis pas senti aussi coupable depuis mon enfance. Je ne vois pas où être en deux. C'est parfaitement. Si ça te plaît. Ah merde. Réserve privée. Est-ce que je peux voler mes parents? Ouais, je kiffe. Attends, là je cache. Alors je peux pas. Ah, je peux pas les voler à la tire. Ok. Bon, du coup. T'es qui toi? T'es même pas name? Tellement, il est mec tellement important, il a même pas de nom. L'Aurora. Hello. Ah, ma particule. Elle a un petit look, elle. Oui. Ouais, pas tellement, finalement. Bon, allez, on se pose. Des burgers astro, mini hamburger astro. Bon, mon gars, tu vends quoi, Boone? Vous êtes pas du coin, vous, hein? Merci beaucoup, Tchernobog, ça me fait très plaisir. Je me charge de tout. Mais si vous cherchez quelque chose. Ah, c'est vrai, bah, donc, Fire One, beaucoup d'encouragement, ça me fait très plaisir. Je dois vous dire quelque chose aussi qui est très important. C'est que la séance devait durer beaucoup plus longtemps. Et on a eu deux problèmes. Le train d'Alpha Cast a eu beaucoup de retard. C'est pour ça qu'on a commencé en retard. On aurait dû commencer beaucoup plus tôt. Et deuxième point. Victor a fait nuit blanche la veille et il a encore une OP ce soir, Mortal Kombat. Qui JDC JDR dans l'OP Mortal Kombat avec Amine, il y aura des props de Game of Roll, tu vois, et c'est scénarisé par Vincent Estria. Il fallait que. Il m'a dit s'il te plaît, pitié, pas plus tard que 23h30, tu vois, donc j'ai pensé à lui. Vous êtes vraiment sympa, mais vous êtes tous hyper sympas, c'est incroyable quoi. Comment je nerf le matérialisateur? Bon, j'ai l'impression qu'on va. Bon, okay. Ok. Si vous voulez, on fait un petit. On fait un petit talk. Attends, je vais couper un peu le son, c'est bien. Donc, la question, c'est comment je nerf le matérialisateur. Putain, il faudrait que je fasse un débrief un peu. En gros, je vais répondre de façon générale. Quand tu fais un. Quand tu donnes des choses puissantes, t'as la méthode Donjons et Dragons qui dit en fait tu mets des choses encore plus puissantes, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as un reconfigurateur moléculaire en face, tu vas mettre je sais pas une armée de 300 vaisseaux. Voilà. Je pense que il faut décaler les choses en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu poses des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre
par la création d'objets à partir de rien. Et ça, c'est la méthode de Arya. En fait, en 2800, enfin 2711, là où va se passer la partie, c'est-à-dire 200 ans après la partie qu'on a vue hier, il y a des transients, beaucoup. Il y a des, ce qu'on appelle des yeux vides. Donc, c'est des psys, mais hyper puissants. Il y a des extraterrestres très puissants. Et il y a aussi plein de merveilles comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde où c'est quotidien. C'est-à-dire que... parce que ça monte en puissance. Donc, en gros, tu vois, au début, ils ont un vaisseau colonie. Waouh, c'est trop puissant. Et puis, finalement... hop, il y a un Endymion qui est un vaisseau de 6 km de long qui arrive et qui est encore plus puissant. Et en fait, ils en ont 300 déjà. Et là, 200 ans plus tard, ils ont des vaisseaux de la taille d'une planète. Tu vois, donc en fait, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Voilà comment on fait pour gérer ça. Voilà. Alors, je reprends l'aventure. Puis après, il y a aussi un truc, c'est que c'est un jeu de rôle. Et c'est pas la honte. Faut vraiment se décomplexer sur le fait de dire, les gars, je vous ai donné un objet, il est trop puissant, en fait, on va pas s'amuser. Allez, on l'enlève, tu vois. Ouais, d'Empire à Mairie de Village. Exactement. Je suis là pour l'Aurore. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, Snoop de Guidog? Vous avez la ref? L'Aurore est un peu chère, mais entre nous, est-ce que le plaisir a un prix? Bah, combien tu la vends, ton Aurore? On peut acheter un penthouse? Excellent choix. La suite céleste, et puisque vous vivrez dans la même tour que l'Astral Lounge... 235 000 crédits, non. Ok. Attends, yo ! Je peux voir le menu ? Bien sûr. Alors, il vend quoi ? 760 l'Aurore. Un puissant hallucinogène, ça ralentit le temps. Bon, j'en prends un. On va se faire un petit shoot d'Aurore, ok. Ok. Revenez vite. Il y a des gens qui dansent là. On peut monter ou pas? Va donc te chercher un verre. C'est la fête. Ok. Et il y a des danseuses et des danseurs. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est les toilettes? C'est déjà ce que tu disais, il y a deux verres. Tu devrais ralentir un peu. Ouais. Il y a sans doute temps de passer à l'eau. Il faut bien s'hydrater par là. Bon, je les volerai tout à l'heure. En plus, je déjeune avec mes parents demain. Faut que je sois présentable. C'est vraiment un truc de bisounours, les jeux Bethesda. Bon. Alors, ben, ça arrive souvent. Moi, je suis content que les joueurs fassent des choses différentes. Et puis, en fait, en vrai, comment dire? Attendez. Je passe un peu le son. Il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que j'ai envie de dire n'importe qui peut être MJ d'une histoire qu'il connaît par cœur et dont on peut pas déborder. N'importe qui. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends n'importe qui, tu prends ta mère, tu prends... voilà. Et tu lui dis... tu lui dis, bah, il faut raconter cette histoire-là, et s'ils font pas ça, tu leur dis c'est pas possible. Voilà. Bah, en fait, ça, n'importe qui peut le faire, tu vois. Donc moi, mon métier, il devient intéressant, et ma compétence, on la voit que quand les joueurs ne se débordent des choix prévus. Voilà. Allez, c'est du courage. Alors, c'est quoi lui, là? Pourquoi il est tout seul? Ok, alors. Je vais voir mes parents. Je peux passer là? Oh putain, je peux passer, monsieur? Voilà, merci. Un peu dans mon point. Donc, je me mets face à mon père. Et je me fais un shoot de drogue. Je sais pas, on teste des trucs. Je le regarde droit dans les yeux. Regarde papa, regarde-moi papa. Comment je fais pour le consommer? Oh. Je peux lui parler ou pas? Je vois pas le problème.
c'est déjà terminé. C'était rapide, hein. Bon, y a pas grand chose. On peut pas monter à l'étage. Ah, si, un élévateur. Allez, c'est parti. Ah, ouais, on peut vivre genre au-dessus, quoi. Je vais au balcon VIP. En première masterisation. Je sais pas. Première masterisation, Star Wars, c'est pas mal. Mais en fait, souvent on utilise des univers simples. C'est quoi ça? Pourquoi je... Ah, je suis surchargé. Pourquoi je suis surchargé? J'ai combien d'inventaire? 121 sur 115. Bizarre ça. Qu'est-ce qui est lourd? J'ai des ressources. Ah, j'ai des tas de trucs. Ok, on va vider ça ailleurs. James Newell ferait bien de se méfier. Il cause des problèmes. On gagne rien à créer des problèmes à Néon. C'est vraiment très néon, hein, cela dit. C'est des petites lounges privées. Waouh. Ah, je peux déverrouiller un ordinateur. Ok. Ça nous fait gagner des points d'expérience, tout ça. Alors, planning. Je regarde ce que vous dites. Mais on va faire un gros point Game of Thrones si ça vous va. Wood Morgan. Super, ça valait bien le coup. Ça m'a fait perdre des points de... Pourquoi je suis explosé comme ça? Je peux prendre ça ou pas? Ça c'est interdit. Ok. Putain, un chardonnay. Et là il y a quoi? Une Bayou réserve privée. Si je le vole, c'est bizarre hein, ce système de vol d'objets dans les... Oh, monsieur. Eh, c'est vous, la réserve privée. Je vous en prie, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Bah, puisque vous êtes la fa... Oh, jolie chemise, c'est ça que j'ai envie de dire. D'ordinaire, je ne m'embarrasse pas de conversations inutiles, mais c'est une question tellement ridicule. Mais c'est un acteur, lui, non? Je ne contrôle pas Néon. Néon est la propriété de Xenofresh Fisherie, dont il se trouve simplement que je suis le président. Merci beaucoup. Je suis content que vous ayez aimé, ça me fait plaisir parce que j'ai eu des critiques négatives. Dans votre petite tête. Et je pense que vous y découvrirez la réponse à votre question. C'est trop bien. Mais je suis content aussi. Alpha aussi a beaucoup aimé, mais on l'a invité aussi parce que c'est un mec qui aime les 4X. Et en fait, je vous invite quelque chose, c'est que si vous êtes un MJ compétent, pas votre première partie, n'hésitez pas à faire la mythologie. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ok, on va prendre un univers. Il y a juste... comment ça s'appelle? Il y a juste des rivières, des montagnes et tout. Elles n'ont pas de nom. Vous êtes des dieux. Vous allez peupler cet univers. Et vous allez dire, là, il va y avoir une ville, là, il va faire ça, tu vois. Et donc, voilà. Ce ne sont pas vos affaires, mais d'ailleurs, il y a des tas d'avantages. C'est quoi l'avantage? Un claquement de doigts. Vous avez fini? Très bien. Ok. Bon, je crois que je... C'est quoi qu'il a là-dedans? Des olives? Caviar de melon. De puits de boule de melon, c'est cher. Hein. Et ça, c'est quoi? Un bol vide. Plein. Qu'est-ce qu'il fait? Il mate les gens? Ah, il regarde le DJ. C'était l'air de se faire un peu chier quand même. Hein. Je pourrais le tuer en fait, en vrai. Ce serait pas compliqué. Un shaker qui est tombé par terre. Un booth VIP. C'est verrouillé. On va voir ce qu'il y a dans le booth VIP. Je m'amuse bien. Hein. Dans quelques temps, j'aurai besoin absolument d'aligneurs. Et j'aurai tout utilisé pour faire de la merde. Wow. Il n'y a
pas grand chose. Hein. Du coup, puisque je peux même pas la prendre quoi. Là, si je pouvais trouver un endroit où fourguer les trucs volés, mon gars. Ah, ça ouvre les deux, trop bien. Je viens là, je vole tout le chardonnay là. Oh, c'est quoi ça? Un repas au grill. Salut. Si je vais de l'autre côté, il se passe quoi? Ok, c'est d'autres boosts. Staff only, j'adore staff only. Salut, je suis du staff. Ah, c'est le DJ. Je peux pas te parler, Borealus? Putain, c'est affreux cette tenue. Je signe pas d'autographe. Et si je vous paye? Les crédits, c'est peut-être ton truc. Mais c'est pas le mien. D'accord. C'était pour savoir. Moi, je voulais savoir si tout le monde a un prix. A priori, il n'en a pas. Merci beaucoup. Oui, non, c'est pas très grave. Mais. Attends, vous dites quoi? Putain, c'est cool. Il faut absolument qu'on parle. Il faut que je fasse un lundi, je pense que je ferai un débrief. IP de ouf pour l'épisode 2. Très bien. Bah, non. Waouh. Antitabisme et tolérant. Ben j'avoue que, en fait, tellement chelou, comment on peut inventer une tenue comme ça, quoi? Modé, ça veut dire quoi? Elle fait du... Ah, elle a un petit piercing, j'avais pas vu. Elle fait de la musique traquée, en fait. C'est en son vagloire, j'imagine. Alors, c'est ma faute. Aïe, on t'a volé des choses? La musique a disparu. Ah, j'adore cette quête. Mais je pourrais vous aider à trouver cette tablette. Bah ouais, je viens de prendre de la drogue. Si ça permet de continuer à faire de la musique, ça en vaudra la peine. Exactement. Donc, et si tu cherches une piste, parle à Maïka. Elle travaille. Ok. Enfin, bref, tout à plan. Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu vous prendre votre tablette? Eh bien, ça nous laisse les collectionneurs. Les gens veulent toujours mettre. Ouais, c'est bizarre les collectionneurs. Une question. Je suis un peu fatigué, mais ok. Ah, il y a une astuce, trop bien, merci. Ouais, vous allez voir, il y aura des invités. Selon un certain rythme. Laura, vous arrivez. Ouais, carrément. Le truc. J'espère que ça te plaît. Bon, écoute, ça va. Bon. Oh là, ah, c'est le petit robot. Bon, on va redescendre tranquillement. Et on va vider nos poches dans le... Alors l'IA, elle sera peut-être pas là tout le temps. Parce que... Je vais pas vous décevoir, mais en gros... En fait, l'IA... Elle est pas toujours pertinente. J'aurais aimé que l'IA, en fait, ce soit le hive mind d'un extraterrestre. Je pense que ce sera le hive mind de l'éponge. Ma mère voulait que je sois médecin. Médecin. Les mamans. Les mamans. C'est là qu'on a vu le vaisseau calculette, mais on m'a dit que les vaisseaux, il fallait avoir Attends, je retourne au vaisseau, c'est là, chez Strud et Klun, là, je retourne. Parce qu'on m'a dit, les vaisseaux, tu peux pas acheter des vaisseaux cash, il faut avoir des certifications. L'IA n'est pas chiante à programmer. Par contre... Si vous avez des questions sur notre vaisseau, n'hésitez pas à demander. À qui? À toi? Tu tiens un balai? Je suis heureuse de vous voir dans... Putain, je crois que t'étais la boss. Bonsoir Marc, un boss qui... Alors, acheter des vaisseaux. On voit que c'est un classe C. Ah, c'est un classe B. Ça, c'est un classe A. Et mon vaisseau que je veux, là. Putain, celui-là, là, le Roanoke. J'aime pas son nom. C'est un classe B. Pour avoir un classe B, comment on fait? Je suis un peu endormi, là, aujourd'hui. Pilotage.
combat, peut-être technicien, j'imagine. Arme balistique, jet pilotage. Alors, les propulseurs. Ouh là là! Je sais pas ce que c'est les propulseurs, mais ok. Bon, je prends. Et donc, il faut que je détruise 5 vaisseaux. J'ai pas envie de détruire des vaisseaux. Mais il faut que j'achète un des vaisseaux de classe A, quoi. Salut Bob Hendrix. Liane n'est pas chiante, elle est pas chiante, elle est chiante à fine-tuner. Pourquoi? Parce que la voix, en fait, le plus dur, c'est la voix. C'est pas les réponses, parce que c'est du chat GPT-4 bien chiadé, on la brief et elle fait ce qu'elle a à faire, tu vois. Mais l'IA du 2, elle était encore mieux. À un moment, on a mis l'IA avec la voix de Victor Jolivet. Et il y a Philomène qui est truquiste et Adrien qui est ingénieur son. Et j'ai dit à l'IA avec la voix de Victor, c'est qui le meilleur entre Adrien et... Oh là là, il est beau ce vaisseau là. Putain! Je peux entrer dans ce vaisseau ou pas? Attends, je vais juste le voir. Il y a une autre station là. Ah, je le reconnais, c'est un Econocall. Econocall. Bon, peut-être qu'il faut que je change de vaisseau, enfin, en vrai. Les deux prennent du temps. Les deux prennent du temps. En fait, quand on appuie sur le bouton et vous entendez le blip 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 blip, en fait, tout le blip blip, c'est je comprends et je synthétise. Inspectez votre... Hey, que puis-je faire pour vous? Montrez-moi les vaisseaux que vous avez à vendre. Je cherche un vaisseau de classe A. Ah, ok, donc là, par exemple, celui-là que je peux acheter, le Samaritain, c'est classe A. Classe B... Classe A, c'est, il s'appelle comment? Le Kafir. Ok. Classe A, la batteuse. Mais je peux l'acheter. Bizarre la batteuse, hein. En fait, oh, le hachis là. Pas très cher la Chine. En fait, il faut que j'achète un vaisseau le plus tôt possible, sinon je dois donner de l'argent à mes parents. Il est un peu de la merde. Ça, c'est un Econo Hall. Putain, j'y suis prêt, je pourrais presque l'acheter, quoi. J'ai envie de l'acheter, l'Econo Hall, j'aime beaucoup. 95 000. Le Warhorse. Cheval de guerre. Ah, il est moche. J'aimerais acheter l'Econo Hall. Il faudrait que j'ai... Il me manque quoi? Il me manque 10 000 quoi. Le problème c'est que là mes parents ils vont me prendre... ils me prennent 2%. Donc là ils vont me prendre 1800. Je peux pas vendre des trucs. Où est-ce que je peux acheter et vendre des trucs? J'ai envie de retourner à... En fait, pour acheter un plus gros vaisseau, faut que je monte de classe, quoi. Y a pas un trade union, je sais pas quoi, là, mes couilles, ici? Attends, j'ai quoi comme objet de merde? Non, je ferais... C'est vraiment, c'est le stream du ça sert à rien, quoi. Je fais rien. Ok, alors, je vais trier par nom, par valeur. Donc ça... Oh, ça... Ça, je l'ai sur moi, non?
Oh putain, il vaut 7000 le pistolet de mon père. Si je le vends, je pourrais acheter un truc, quoi. C'est quoi un super... Ah, c'est... Ça, c'est des trucs volés. Ok. Bon, bah, on va... on va pas le prendre. Je vais aller à Néon et on va acheter un beau vaisseau. Alors, ah, il y a un ordi jaune dans la pièce. Vas-y. Hey, merci mon gars. T'es un génie. Alors, tout par valeur. Je vais vendre le pistolet de mon père. On va voir. Il a peut-être pas besoin. Ah putain, mais il vend pas cher. Il rachète à rien, quoi. Bon, Allez, prenez ça, la pénicilline, ok. Muesli. Alors, on est à combien, là? J'ai besoin de tous ces crédits. Et encore. Ça, je vais le prendre. Un réostato. Antibiotique. Espresso. Faut pas que je vende la carte de... la carte de roi de cœur qui est mon porte-bonheur. Ouais, j'ai trop de la merde, quoi. C'est quoi ces trucs? On prend pas beaucoup de... Lumino grenade à particules, j'en ai 50. Ah, les aligneurs, je les garde, j'en ai plus que. Cartouche sans étui. Bon. Pourquoi j'ai toute cette bouffe là? Du scotch. Je vais garder la structure adaptative. De l'argent, on s'en bat les couilles. Enfin, tout à l'heure, j'aurai besoin d'argent. Ouais, je veux de l'argent. Ma carte à jouer, ok. Je la garde. Je peux vendre tout le reste maintenant. Ah, il faut peut-être que je garde. Tablette de Mohara. Peut-être je peux la vendre. Oh, je peux la vendre. Ok. Donc déjà, je suis beaucoup plus léger. J'ai 86 000. Est-ce que j'achète un putain de vaisseau ou pas? Ou est-ce que je fais les poches des gens? Ouais, mais je vais prendre des amendes de 5 000 à chaque fois. Vas-y, remonte-moi les vaisseaux. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Alors attends, le Samaritain, je peux l'acheter. Mais en vrai, il fait quoi? Pas grand chose. Il est meilleur en rien, bouclier. Celui-là, je peux pas l'acheter. Il est joli pourtant. Hein. Le Falcon. Kaffir, pourquoi pas. La batteuse. Le nom est un peu laid. Il est laid en fait. Il est juste laid, quoi. Terriblement laid. Et c'est pas un vaisseau avec lequel je pourrais démonter des trucs, tu vois. Là, le Achille, c'est plus un vaisseau de combat, ça, par contre, tu vois. Rambler, c'est de la merde. Celui-là, il est pas mal. Putain, j'y suis presque, là. Il me faut 8000, tu vois. Le Achille. Je peux vendre mon vaisseau? Non. Non, je peux pas vendre mon vaisseau. Je suis sûr que vous trouverez votre. Ah, je peux vendre. Trop bien. Mais non, je peux vendre mon. Il faut que j'ai au moins un vaisseau principal. Donc si j'achète, celui-là je le vendrai combien? Valeur 7000. My god. L'Achille a l'air bien. Hein. Allez, ok. Tu as un Econo Hall Tcherno?
Bon, on va faire la mission pour Eugene, peut-être que je vais gagner 8000. Ouais, de toute façon, je suis là pour faire un 27 degrés. Gravité un peu. Les règles sont faites pour être suivies. Faites-le et vous éviterez les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Je peux pas la looter. D'accord. Dommage, hein. Ok. Ouais, je sais les gars. Merci pour vos conseils. Vous êtes vraiment gentils, hein. Putain, vous êtes gentils. La Ligue des mineurs. Elle s'est recluse chez Selcor. Elle est trop bien pour les héros. On dirait qu'elle essaie d'aider quelqu'un. Honnêtement, je vais la soirée. Alors, faut que je trouve quelqu'un d'un peu. On rentre comment ici? Tapette par là. Salut. Jupiter. J'ai envoyé mon CV, vous m'avez dit de venir ici, c'était pas de la tarte. Est-ce que je peux vous aider ? Vous pouvez cesser de m'ennuyer par exemple ? N'hésitez pas à me dire si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre visite plus agréable. Ah putain, mais c'est une victime ou quoi ? En quoi est-ce que je peux vous aider ? Ah merde. Presque 3 ans, j'arrive pas à croire. Vous aimez votre travail ? Mais moi attends, je cherche Imogène machin. J'aime parler aux gens. Désolé. Passez me voir pour discuter quand vous en avez envie. Putain, je l'ai rembarré, ça fait chier. Maintenant, faut que je trouve Imogène tout seul, quoi. Alors, attends. Bon retour parmi nous. Comment puis-je vous aider ? Non, 71 crédits, je peux pas voler quelqu'un qui a 71 crédits, il faut que je vole que des gens qui ont plus de 500 crédits, tu vois. Des pépites d'avoine, mais... Arboron. Ah, vendez des... Est-ce que vous vendez des vaisseaux? Tranquility, ok. Et ça, c'est Eugene. Vous êtes vendeur ? Bienvenue dans la boutique de Rio. Bah, montre-moi ce que vous vendez avant. Faites un petit tour, si vous trouvez quelque chose. Qu'est-ce que tu vends, mon gars ? Ah, des tenues. Costume. Ouais, c'est le... Je suis dans le Monsieur Cyberpunk, quoi. Là, ça a un Euroboost. Ça sert à quoi ? Chance d'intimidation, plus 5. Bah non, à 3500, tu te les gardes. Mon but, c'est d'avoir 8000. Par contre, peut-être que t'as des trucs sympas, toi. Il y a 700 crédits. Merde! Ne soyez pas stupides! Arrêtez-vous! Sécurité de Néon, je vous arrête! Ok, allez, prenez tout. Sage décision. Maintenant, venez avec nous. Oh putain. La blague du Achille Parme entier. Ils m'ont pris mes livres volés. Bon bah super. Attends, il y a un truc à faire dans la prison, ça tombe bien que je sois là. C'est ça les prisons? Non. Cargaison saisie. Casser des objets volés. Cache de contrebande. Œuvre d'art volée. Putain. Ça si je les prends là. Trop bonne idée. Là, c'est là où j'étais, mais putain. En fait, c'est assez sympa quand même ce concept de d'une station pétrolière. Non. Hey, ah. Vous étiez là quand vous enfoiré de la sécurité, mon poste. J'ai vu ça, ouais. Je vous en prie. Aidez-moi. J'ai pris une photo même. On dirait que vous êtes parfaitement à votre place. Oh mon dieu, je suis carrément là. J'ai perdu mon job. J'en ai perdu 500, mon gars. Si alors qu'il m'en manquait 8000. Le grand, je perdrais tout le reste. Yannick Legrand. Absolument tout.
Yannick un français. Attend un colis. Un colis. Vous en faites pas, Yannick. Ok. Alors dites-moi quoi faire. Oh, ma caisse se trouve dans le bloc. Ouais, j'ai vu ça. Dans le refus. Alpha 3, kilo 4. La gérante et elle vous laissera entrer. Ramenez-le à Yannick et avec un peu de... Oh, ça m'a l'air très simple. Ok, on va faire ça. Trop bien. Ça m'a l'air trop bien. Justement, j'ai besoin d'argent. Alors, attends. Je vais prendre la mission de Nechar, là. Comment je peux trouver ça? Super fan. Non. Mantis. Comment je peux trouver? C'est quoi le nom? Faction, peut-être? Supra Ultra. Putain, je dors debout, là. Ah non, attends. Livraison pour Salinas. Non, dernier détail. Ah voilà, les derniers détails. Boum. Alors, il faut que j'aille où? Parce que c'est pas les arbres, le truc volé là? Ok, allez, on y va. On va gérer ça. En espérant que ça nous rapportera 8000. Mon background hacker. Ah, effacement de mon casier. Intéressant. Moi, je suis pas un hacker. Moi, je trouve que le hack, c'est déprimant. C'est beaucoup de travail, en fait, les hackers. On se rend pas compte. Alors, attends, c'était dans la prison, parce que j'étais là. Epside, c'est quoi? Non, je suis un voleur professionnel. Où est-ce qu'on est? Après, si on m'attaque, ils savent pas qui je suis un fou, moi. Qu'est-ce qui est marqué Reminder? J'ai quelques chambres qui sont disponibles à la location. C'est Lisa. Faites attention par ici. Tous ceux qui restent dans nos chambres qui sont ne sont pas fréquentables. Ah, d'accord, c'est comme dans si le neuromancien. Je vous laisserai entrer. Alpha 3, si kilo, mes couilles. Voilà. Compris. Et le code d'identification est valide. C153. Je m'avance peut-être un peu en pensant que votre compte est plus renfloué que celui de ma clientèle habituelle. Bah, pas assez. J'ai quelques caisses prêtes à finir à la décharge. Qui sait, vous pourriez y trouver de la perche abyssale qui traîne depuis une semaine. Ou l'original de Bailamos de Miguel Rapp. Allez, je tente ma chance. J'adore la... Bien. C'est une émission de télé. Tu sais, ils achètent des... Allez, cool. Alors, attends. La C203 et la C... C'est quoi, slip card? Attends, la C2... Quand je peux savoir, c'est la C253. C203, mais je l'ai, ça. Merde. Qui c'est, cette personne? Elle est dans mon caisson? Oui. Mais pourquoi elle vit dans mon caisson? Y'a rien? Putain, je pète un câble! Pour 1000 balles, j'ai payé ça? Non. Non, c'est une blague ou quoi? J'ai payé pour 1000 balles! Putain, l'enfer. Ok. Je suis pas très réveillé. Hein. Quoi, slip cards? Porte? Ah non. Ah, yes. Donc c'est là, ah c'est là. Paquet de Nechar, parfait. Et maintenant, il faut que je l'apporte à Yannick le Grand. Attends, je pète un câble sur le truc de tout à l'heure, là, le truc que j'ai acheté. Ça va mon gars? Non. Donc j'ai acheté cette chambre pour 1000 balles, c'est ça? Il y a juste du papier toilette. Une valeur de 12 crédits quand même. Il y a forcément un truc caché quoi, c'est pas possible. Regarde, tu vois par exemple cette si je prends ça, non ça je peux pas le prendre. Sous le coussin, je le sens, il y a un truc, tu vois. Non, je veux pas dormir. Au plafond. Ça peut pas être une pure arnaque, tu vois. Une tasse à café. Putain de merde!
Attends, elle m'a baisé la meuf. J'ai des chambres qui sont mal louées. C'est étroit, mais ça reste. Ce fut un plaisir. Ah, mais attends, c'était... elle m'a dit il y a peut-être des trucs dedans, mais je la déteste. Ok, il faut que je parle à qui maintenant? C'est trop. Non, mais c'est une pure arnaque. Non, mais c'est une arnaque. Hein. Au moins, quand ils achètent les conteneurs de rangement dans l'émission, parfois, je sais pas, il y a des baskets pourries, tu vois, il y a un truc, là, il y a rien. Il y avait juste quelqu'un, c'est fou. Je suis désolé, je suis un peu endormi. Hein. J'attends Kratuer avant de m'effondrer. C'est vrai, vous êtes vraiment des gars sympas. Mais vous êtes des adultes. Salut Yannick. Vous êtes là pour acheter. Dépensez vos crédits ou dégagez. À vous de choisir. Ça, c'est un vendeur du futur. T'es français ou quoi? Ah ben oui, c'est un français. Si vous voulez du blé, j'en ai reçu. C'est un nom bien mystérieux pour une boisson. Le nom dit tout. C'est un mélange. Écoutez, j'ai pas le temps de bavarder. J'ai beaucoup de travail. Si vous pouviez vous dépêcher. Là, le pic de. De cette expérience de jeu aujourd'hui, je suis fatigué. C'est la pure arnaque du caisson là. Ouais, ok, vous êtes avec Neshar. Vous vous ressemblez presque comme deux gouttes d'eau. Ouais, c'est exactement. Je suis un jumeau. Je sais qu'il s'est fait pincer. Alors, si vous infiltrez mon orgue, Yannick Nelassi. Il m'a demandé de vous remettre ça. Putain, c'est un gros connard. Alors lui, je vais le voler. Réussi, alors. Finalement, il est peut-être moins incapable que je le pensais. Oh. Je me fais des illusions. C'est un charognard. Quand tous les gros poissons se sont fait abattir par les entreprises, prenez les crédits. Combien? 2500. Ça couvre... J'ai gain 1000 sur 7000. Enfin, plus que 7000. Deschard était flippé, je suis un peu indulgent. Il s'est montré loyal. Cool. Vous avez l'air d'avoir du talent. Un talent incontestable. J'aime bien et je travaille avec des gens qui reconnaissent ce talent. Ouais. Vous avez devant vous le seul et unique fabricant du bled. Ouais, je m'en bats les couilles. Peut-être la solution à mes problèmes. Ah ouais, t'as quoi comme problème? Je pense à non. Tant que ça paye bien, ça m'intéresse. Oui. Pour préparer du blend, il me faut de l'aurore. Cette drogue est illégale en dehors. Bah t'inquiète, je t'en apporte. Si les rangers vous chopent avec de l'or. T'inquiète. Et si Benjamin Bayou découvre que vous l'avez. Enfin, jusqu'ici, ensemble, on peut. Tu veux combien d'or? Très bien. À mes yeux, Neshar vaut plus rien. C'est une merde, Neshar. Il a qu'à crever en prison. Le pauvre. Mon autre employé, Félix Sadler. Écoutez, Neshar est un génie. Sadler prenne des vacances. Il pourrait peut-être disparaître. Tragiquement dans l'océan. Je m'en tape le coquillard. Occupez-vous de son cas. Vous voulez que je tue un gars? Vous deviendrez un précieux atout pour y. C'est vraiment un putain de méchant. Morovis, c'est un peu sévère quand même, non? C'est ce qu'on appelle délégué. Vous ferez le bon choix. Bah, vif. Je veux pas tuer un gars. Dans un entrepôt mi- ok. Oui. Pas de problème. Je vous le dis, le blend, c'est le temps. Allez, votre secret est en sécurité avec. Mais c'est pas possible! Ouais, j'arrive. Aujourd'hui, j'ai gagné 500 euros. Pas de problème. Je vais venir sans faire d'histoire. Dites comme ça, je vais voir Neshar. Je m'en tape le coquillard. Ah putain! Ça va, Neshar? Je suis foutu. Je préfère quoi? Mais si vous faites bien. Ok. Merci de votre visite. On n'est pas du tout des jumeaux, il est fou quoi. Alors, faut que je fasse quoi? Je m'en tape le coquillard. Merci beaucoup, Vivre, ça me fait très plaisir. Alors, on en est où? Je sais pas ce que je dois faire. Bon, est-ce que j'ai de quoi tuer quelqu'un? Oui. Je suis fatigué, hein. Je compte pas tuer des gens, mais
presque garanti. Allez, on va à l'upside, mais un autre upside, whatever that means. Bon. Je tiens à vous rassurer, je ne vais pas tuer Félix. Je suis pas un tueur, moi, je suis un comptable. Oh putain, il se passe quoi? Ah, c'est le brouillard. C'est quand même bien, ces histoires. Madame Sauvage, place, waouh. Alors. C'est quoi, c'est un autre dancing? Dancing. Juste regarder un petit peu. C'est bien qu'il y ait deux clubs, ça me fait plaisir. Comme ça, il y a... C'est elle, Madame Sauvage? Sandoval, elle s'appelle. Non, mais je vais tuer personne. Faire de la prison n'a aucune conséquence. Si tu fais de la prison pour des crimes graves, tu vas perdre des stats dans les Bethesda, je crois. Ah bah oui, mais on peut pas perdre des stats dans ce jeu. Bah tu perds de l'argent en tout cas. Allez, entrepôt 01. Tu sais quoi, on va à toute fin utile, si toutefois ça tourne mal. Peut-être une petite combi, tu vois. C'est hyper bizarre que les armures, ce soit des combis. Des... Ouh là là, qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Oh, merde! Mais... Félix! Oh, merde! C'est mon sang! Félix, je voulais même pas te tuer quoi. Putain, je voulais négocier, c'est pas possible. Quel enfer. Il y a encore un gars? C'est pas possible. Moi aussi je te vois. Putain, mais je voulais discuter. Ah, un costume de brute, intéressant. Ah, Félix est là-haut. J'ai tué tout le monde. Alors. Bon, c'est très bien parce que je vais pouvoir vendre ces merdes. Oh putain, je voulais tuer personne. Mais je voulais pas. Ah, c'est vrai, t'as adoré Luciola. Ça me fait hyper plaisir. J'ai vu que t'avais subé d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que Luciola, tu fais partie des. Je sais pas, je me souviens plus de ton rôle. Comment je fais pour sauvegarder? Bon. Putain, je dors debout. Debout, voilà. Alors, on va discuter avec Félix. Maintenant que. Il n'y a pas des trucs à prendre du coup dans cet endroit. Bon, on verra. On dérobera tout ce qu'il faut. Oh! Salut Félix! Là-bas? Visez un peu ce que vous avez fait! Ah, il venait pour toi? C'est vrai que Nechar a l'air d'être un génie. Justement. Bizarre de Yannick en danger. Je suis pas là pour discuter. Pourquoi le clan c'est au goût que vous voulez ta peau? Mais en tout cas, il regrette trop de m'avoir cherché. Donc, Yannick, cherche sur ton sort. Soit tu meurs, soit tu quittes la planète. Choisis quoi? J'ai mal entendu. Non, c'est vrai, je te jure, il m'a dit ça. Sur une autre planète? Je dois faire mes bagages? Non. C'est... Yannick c'est est foutu. Que Yannick aille se faire foutre? Et vous? Allez-vous? Écoute. Tu vois pas que j'essaie de te sauver la vie? Je viens de tuer 4 pecs devant toi. Mais il est complètement con quoi. Par contre, les barbes modélisées avec genre un trou entre le sous la... C'est affreux cette barbe. Full camp, m'oblige pas à te tuer. Très bien, je m'en vais. Eh ben... Je peux pas le voler? Non, bon, c'est pas grave. Ok, il y a quoi de beau à prendre? N'importe quoi tant que ça se vend. Je prends tout. Un calepin.
Que de la merde. À force de faire du NASA punk, tu peux voler que des trucs qui ressemblent à ce que pourrait utiliser des gars de la NASA, quoi. Qu'est-ce qu'il foutait là, le gars? À quoi servent ces ordinateurs? On sait pas. Hein. On peut le voir, ce casier? Non. Super. Ok. Et là, il y a des choses là-dedans ou pas? Non. Super. Ils ont fait exprès de faire le... l'endroit le plus moche du monde. Putain, pour... Bon, j'ai sauvé un gars, mais j'en ai tué... J'ai tué des randoms. Mais c'est comme dans les films, tu sais. Tu peux totalement tuer des gars inconnus. Des pères de famille, mais... tant que tu sais pas que c'est des pères de famille. Ben dis donc, moi, j'ai beaucoup de compliments aujourd'hui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bah, vous êtes hyper sympa. C'est bien de redonner confiance en moi. Comme je vous l'ai dit, cet épisode était là pour mettre Paylib en avant. Là, entre les stats, parce que le premier épisode, il a fait 170 000 vues sur YouTube en 2 semaines, ce qui est... C'est quoi, les disciples? Pour s'amuser. Merci du conseil. Bah ouais, t'es trop sympa, mon gars. Ça veut dire que les strikers sont mieux? Ok. Donc les strikers, c'est les gentils, les disciples, c'est les méchants. Je vais me renseigner sur eux. Ouais, bien sûr. 1000 crédits. Allez. Ouais, merci. Diggers et mines. Bah, vous savez ce que je vais faire avec après lui avoir donné 1000 crédits. Putain, 32%. Faut pas qu'il me regarde. Je suis caché. J'intitule cette photo Fibre le voleur qui va voler le voleur Putain, c'est dur de le voler là. Arrête de me regarder. Voilà. Et voilà. J'ai récupéré mon argent tout en faisant une bonne action. Qu'est-ce qu'on pense? Alors, je dois faire quoi? Je vais dire à Yannick qu'il va me filer des crédits. Je vais aussi vendre tous les trucs que j'ai volés là, les Grendel. J'ai compris que les Grendel c'était genre l'épée de fonte, tu vois. 170 000 vues, ouais, c'est très bien pour un proto. C'est pour un. En fait, en 2 semaines, c'est énorme. Combien je vous en mets? Vous avez réglé le problème de fait. Bah oui. Considérez le problème réglé. Vous obtenez des résultats, tout comme moi. À présent, voici la nouvelle stratégie d'entreprise. Ok. Le blend est en train de s'épuiser. Il nous faut de l'aurore. D'accord. Neshar y travaillait. Pourquoi Neshar vous avait pas dit qu'il était son contact? Attendez vouloir le protéger. J'avais beau lui mettre. Neshar a l'air de faire du bon boulot. Possible. Il est temps que vous trouviez un emploi. Ok. Voici de... vous j'ai un employé pour bosser dans la... Je pense pouvoir me faire embaucher sans encore d'être à l'ampli. Vous inquiétez pas. Mais j'ai un centre de recherche. Ok. Enfilez votre plus beau costume, Riley. Et faites bonne. Le contact de Neshar devrait chercher quelqu'un dans votre... Ok, ça marche. Ah, 4300 crédits? Vous venez voir un blend? Je comprends. C'est le meilleur cocktail des systèmes occupés. Non. Yes! Je crois qu'on est pas mal niveau crédit là. On est pas mal. 92 000.
C'est combien? 94 000. Il manque 2000 crédits. J'y presque. J'y suis presque, presque, presque. Il faudrait que je trouve un petit taf de rien du tout, là. Parce que là, si je vole des gens, ça va pas le faire, quoi. Ah, mais si, je vais vendre mon matos, je suis trop con. Chez Neville's Good. Salut, les gars. Salut, mec. James Neville, ça va? Si vous cherchez des produits spécifiques, Rosa et moi, on vous garantit de meilleurs produits que la sélection de cigares. En gros, durant le live, non, on monte pas à 30 000 viewers. Non, non, je parle du replay YouTube. Non, on a monté à beaucoup plus. Enfin, non, on était à. On a fait un pic à. On a fait un pic à. Pour le premier épisode, on a fait un pic à 19 000. C'est-à-dire qu'il y a 19 000 viewers concurrentiels, donc on monte à beaucoup plus. On a dû faire, je sais pas. Enfin, c'est énorme. Pour un jeu de rôle, c'est énorme. Bon, on dirait que vous avez un problème avec la boutique de Sigart. Vous voulez que je le tue? Ah, il vient pas à la réunion des commerçants, il faut le tuer. Et ça se trouve, il a pas le choix, ce pauvre gars. Tout le monde a le choix. Bah. Ok, comment il s'appelle? Il a la mâchoire de du bouffon vert dans le Spider-Man de Sam Raimi. Là. Pas de problème. Je vais aller parler à Sigard de voir si je peux raisonner, ça te va? Et vous avez pas besoin de me dire que. Bon, je fais pas ça gratuitement. Je suis un homme d'affaires. Ouais, bah c'est super. Même en attendant, j'aimerais acheter et surtout vendre. Vendre, 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 c'est parti. Il y a des choses dans le vaisseau ou pas? Putain, j'ai tout ça dans le vaisseau. Putain, j'avais des trucs dans le vaisseau, quoi. J'ai de la fibre. Ah, la géode, je peux pas. La géode, je peux. Si, allez, je la vends. Ouais, j'ai 6 haches de sauvetage. Allez, prends tout là. Ok. Attends, j'ai encore des choses à vous vendre. J'ai combien d'argent? 94 000. On y est presque. On y est presque. Je vais terminer. J'aurai l'écono hall et je vais être hyper content. Vendre. Boum. J'ai quoi tout? En non. Non, j'ai gardé mon pistolet. Ah, ben je vais vendre cet Equinox de merde. Ça s'en bat les couilles. Grendel. Grendel. Costume de Seros. Ah, il était joli ce costume quand même. Ce costume, faut que je le. Ah non, c'est le mien. On est bon? J'ai combien? 80. Ah, j'ai 95 000. Oh, allez. Dites à tout le monde que vous connaissez notre boutique. Ouais, ou je dis rien, on se casse. Cool, 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 cool. Donc en gros, je vais quand même garder ma quête de Ryuji d'entreprise, mais j'ai un Econo Hall. Enfin, l'Econo Hall de mes rêves. Et après, avec l'Econo Hall, je vais tuer des vaisseaux. Et après, je vais passer en B et en C. Mon costume, et je l'ai toujours mon costume, vous inquiétez pas. Il est là. Jamais je m'en séparais, c'est la chose de plus précieuse que j'ai. Regardez-moi courir. Ça, ouais, vous avez déjà vu un comptable courir aussi vite? Sur une plateforme pétrolière? Ça n'arrive jamais. Frontière, adieu. Je te kiffais le frontière. Mais parfois, il faut se séparer des bonnes choses. Tes vaisseaux, tout de suite. Tes vaisseaux. Allez, on se décale. Tes vaisseaux, tais-toi, tes vaisseaux. Aïe, mon Econohulk dont je rêvais. Enfin pour moi, je l'achète. Oui. Et maintenant, je veux vendre l'ancien. Le frontière. Ah, je peux pas le vendre pour le moment? Ok. J'imagine que le frontière, il faut que je le rende peut-être à Constellation. Waouh! Waouh! Regardez-moi comme il est énorme, j'ai l'impression d'être. De rentrer entre les deux jambes d'une géante, vous voyez ce que je veux dire?
Je monte. Je vais découvrir ce vaisseau extraordinaire. Qu'est-ce que là ? On peut aller là ou pas ? Une trappe. J'ouvre la trappe. Waouh ! Waouh ! Il y a même genre des trucs là, non ? Chapeau de colon, trop bien. Pas même chapeau, mais c'est cool. Ça, c'est quoi ? C'est pour voir ce qu'il y a sous la planète, c'est joli. Là, il y a une table. Je vais pouvoir vendre du calepin, une fiole. C'est quoi, c'est un truc de recherche ? Un laboratoire pharmaceutique, incroyable ! Incroyable ! Ça, c'est quoi ? Oh, regarde, des petites méduses, un terrarium, microflotteur, comme c'est beau ! Coûte combien ? C'est beau, ça, c'est là où je travaillerai. Je vais prendre des notes. Il faudrait peut-être une chaise. Là, il y a quoi ? Oh, regardez, il y a un lit avec une petite peluche. Yeah. Trop bien. Trop content. Attends, je bulle un peu sur mon lit, là. Je suis content. Ça, c'est quoi ? Il y a marqué quoi ? I love space. Ok, j'ai mon petit fauteuil. Trop bien, pour réfléchir. Waouh ! Il est où le poste de pilotage ? Un sac de navigateur. Ah, il faut monter encore. Ah. Alors, ah oui, attends, excusez-moi. Ok. Ça va être relou quand même, hein. Bon, mais bon. Ok. C'est quoi ces... Ça sert à quoi ces trucs ? C'est joli en tout cas. Waouh ! Trop bien, attendez, je crois qu'il y a Kratu qui me dit un petit truc. Oh, super. Ah, et... Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Oh, putain. J'ai un peu des baisses de morale en ce moment. Alors que tout va bien. Habituellement, je suis un peu... comment ça s'appelle ? Je suis un peu... j'ai plutôt de la paranoïa ou des trucs comme ça. Non. Mais là, en ce moment, je le sens... Enfin, je suis pas maniaco-dépressif, mais un peu cyclothymique, tu vois. Et vraiment, je... Je fais des trucs que je faisais pas avant, comme des insomnies, quoi. On peut encore monter ? Ah non, ça c'est pour... Ok, cool. Donc attends, je vais un peu enlever ma combinaison, là. Inventaire. On va décoller un peu, là, non ? Par contre, pourquoi je peux pas me séparer du frontière ? Je sais pas. Et vous êtes gentil. Vous êtes très sympa, Pouglin. Merci beaucoup. Bon, on décolle ? Blou, 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 blou. Attention, attention ! Oh putain ! Allez, Thibaut Brock. Crash de cloud, et ben moi c'est pas du crash de cloud parce que c'est sur ma console. Je joue en... Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des endroits un petit peu... Alors déjà on va... Attends, j'ai vachement de... Donc par exemple je peux monter, on va monter les boucliers à fond. On va monter les moteurs bien. On va mettre les... Ok, on va... Ah, il faut manquer au moins un en ASM. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est les balles. Il n'y a pas de missile, mais en vrai, pas la peine. Ou alors... C'est quoi par ? Je sais pas ce que c'est. Bon.
On va tenter un truc. Donc déjà, je vais sauvegarder. On va voir si ça vaut le coup, tu vois. Carte stellaire. Est-ce qu'il y a un endroit... Attends. Est-ce qu'il y a un endroit un peu vénère, tu vois. Genre là, il y a quoi? C'est quoi? C'est un vaisseau hostile. Marchand de Liberastra. Activité hostile. Allez, on y va. On va voir ce qui se passe. C'est le réglage, ça veut dire quoi? Alors, là, il y a des gens ou pas? Il y a des méchants? Il n'y a pas d'activité hostile, là. On peut tirer sur les... Ok, donc déjà ça c'est possible, c'est sympa. Et on peut récupérer, il y a des choses au milieu. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez joué à Wing Commander quand vous étiez plus petit ou pas? Non. C'est quoi ça hein? C'est un vaisseau? Un gisement de minerai. À 600 mètres. Je peux prendre assez de l'eau? Non, je m'en bats les couilles. Super. Donc là il y a une activité hostile, c'est ça? Je suis un peu déçu de l'activité hostile. C'est surtout hostile contre les cailloux. Ça c'est quoi? De l'eau encore? De l'eau. C'est nul à chier! J'ai pas besoin d'eau! Ok, alors... Y a pas du tout d'activité hostile? Ok, est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a de l'activité hostile? J'ai soif de sang, vous comprenez ou pas? Alors... Ça c'est quoi ça? Cet endroit? Contact du détecteur, ça veut dire quoi? C'est quoi un contact du détecteur? On y va. Waouh, vous aimez tous? C'est trop bien. C'est quoi un scanner? Ah oui. C'est ça que vous voulez que je fasse? Caisse de livraison. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette caisse de livraison? Volito. Bon, attends, je vais voir ce que c'est. J'arrive pas à voir la vitesse à laquelle je vais. Ah, attends. 66. Pas très rapide, mais... Non, mais je sais pas que je veux tuer des gens. Je veux juste... Oh, on peut aller dans le rocher. Ah non, je crois que c'était un trou, mais c'est pas un trou, c'est juste un autre rocher. Attends, mais la caisse de livraison est dans le rocher? Elle est sur le rocher. On peut sortir d'ailleurs. Est-ce que je peux sortir dans l'espace? J'espère que je ne vais pas rencontrer un rocher là. Non, ça va. Ah non, on peut pas. Je suis sûr qu'il y a moyen de no clip, tu vois. Alors, elle est où la caisse? La caisse, elle est là. Elle est à 960 mètres. Elle est derrière ce rocher. Ou elle est dans le rocher? Ah non, elle est genre... Ah, on peut pas faire marche arrière, c'est marrant. Ah merde, il y a du titane, juste du titane, ok super. Ok, bon. Bon, bah écoutez, on va aller dans un endroit un peu vénère, non? Carte interstellaire, c'est parti. Carte stellaire.
Libera Astra. Il n'y a pas genre ça, tu vois, par exemple, ce truc-là. Feynman. Oh là, il est loin. Et Olympus, c'est quoi? On sait pas, ça appartient à qui? Type spectral. Il y a Aranae et Olympus. Je crois que je suis... Bon, on va à Olympus. L'Almagest, je sais pas ce que c'est. Et si je vais juste à Aranae? Allez, on va à Aranae. Bon, j'adore les conoles. J'ai récupéré de l'eau, c'est un code. Après, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'aurais juste en fait voir ce qu'il vaut en combat. Il y a un problème, vous avez un problème, monsieur. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout le temps. Alors là, il y a un problème urgent, mais en vrai, j'ai le temps. Alors, carte stellaire, il y a quoi dans ce système? Aranae 2. Donc là, il y a laboratoire. La ferme des Lopez. Bon, on y va. Je vais l'aider, monsieur Lopez, ou pas? Non, attends, tu sais quoi? On va faire un point sur les quêtes. Moi, sinon, c'est bon, en fait, je peux retourner. J'ai pas envie de bosser. En fait, j'aime pas trop Néon, en vrai. Je sais pas. Regardons ce qu'on a comme mission à faire. J'aime pas trop Ryujin, je me suis fait prendre plein de fois, tu vois. Alors, en activité, j'ai quoi en activité? Catherine Lusion. Saburo. Oh bah tiens, on va voir Londres, ça vous va? C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un saut de 69 années lumière. Si vous voulez, je me zépo sur Bar-le-Duc ou Marseille. De Londres, c'est parti. Je crois que la terre a été la terre elle a été dévastée, un truc comme ça. Il y a la magnétosphère s'est arrêtée. Vous voyez à quoi ça sert la magnétosphère? Et du coup, voilà, c'est un gros désert quoi. Ah, il y a quand même une tour. Bon, on va mettre la combi, j'ai l'impression. On va mettre la combi. Non, personne n'a éteint le soleil dans cet univers. Ah! Ok. Et voilà. Boum. Je pense que... Ben non, on est à Londres. Hey, vous avez déjà vu la Voie lactée comme ça sur la Terre? Est-ce qu'on voit la Lune? C'est une nuit sans Lune? Ah sinon je verrai pas. Est-ce qu'il y a des choses là? Là, il y a un truc. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le coin? Ah, c'est quoi ça? Un inconnu. Un truc inconnu. Ça, c'est mon cher vaisseau. Il y a des choses inconnues sur la Terre. Donc, c'est la première fois que nous marchons sur la Terre. C'est très... En fait, la magnétosphère s'est enlevée. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que notre planète tourne sur elle-même. Et elle a un cœur en fer. Ça veut dire quoi?
Il est où mon lit? Je crois qu'il est par là. Ah, j'ai un petit aspirateur. Et donc là, il est 20h. Donc on va dormir 12h. Et quand tu fais tourner du fer, ça crée une sorte de... Comment ça s'appelle? De champ magnétique géant, tu vois. Et ça détourne plein de choses, et notamment ça détourne les rayons de solaire. Et parfois les rayons solaires sont quand même vénères et ça crée ce qu'on appelle les aurores boréales. Mais s'il n'y avait pas cette magnétosphère, si la Terre arrêtait de tourner, on va dire, ben en fait on mourrait parce que les rayons du soleil nous brûleraient, les radiations. Et la vie serait impossible. Ou elle serait peut-être possible, mais de toute façon souterraine. Oh, moi je vais laisser ça là. Effectivement, voilà ce qui se passe si on a un problème de magnétosphère. Il y a un seul film qui traite de ça qui s'appelle Fusion. J'espère que tu liras ce message au premier degré. Que tu liras ce que tu liras au premier degré. Où ça? Ah, je sais. Oui, des rayons mortels du soleil, exactement. Oui, ouais, et c'est aussi le problème aussi d'avoir de vivre dans des vaisseaux, quoi. Donc en fait, tout ça, c'était... Et il reste une tour du quartier des affaires, a priori. Ah, et là, c'est pas mal avec la... Il y a un truc, là, non? Genre, seul humain sur la planète. Pas mal quand même. Moi, je vais vous raconter une vraie histoire. Je commence à fatiguer là. Je vais raconter une vraie histoire. Un jour, j'étais à l'Institut Henri Poincaré pour faire des dédicaces. L'Institut Henri Poincaré qui a réouvert d'ailleurs. Il y a une cérémonie d'inauguration bientôt. Où je ne peux pas me rendre malheureusement. Dirigée par Madame Sylvie Banzoni-Gavage. Et spécialiste. Bon, bref, de toute façon. Et j'ai rencontré un gars qui est le directeur de l'Agence nationale pour la recherche, qui avait un accent russe d'ailleurs. Et il m'a dit: vous savez, monsieur, on dépense beaucoup d'argent pour aller dans l'espace, pour mettre des satellites, tout ça. Mais vous savez ce qu'on ne connaît pas en vrai? On ne connaît pas le centre de la Terre. On ne sait pas ce qu'il y a sous notre Terre. Pas rentrer. C'est marrant que c'est tenu parce que c'est genre du verre, quoi. En fait, ils se sont dit: on va pas modéliser Londres, on va pas se faire chier. C'est tellement dur de modéliser des villes réelles, tu vois. Faut utiliser des images satellites. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien. Qu'est-ce que c'est? Une boule à neige. Trop bien. Et c'est quoi ça? Attends, j'aimerais quand même voir ce qu'il y a à l'horizon. J'ai vu un petit truc là. Ça, c'est le site d'atterrissage. Il y a du chlore. Du plomb. Ça, c'est la peinture au plomb, je la reconnais. C'est joli quand même, hein. Le jeu est joli, hein. Ouais, on sait pas trop ce qu'il y a... Alors moi, j'ai théorisé que... Ce qui est intéressant avec le... Pas avec le magnétisme, mais avec la gravitation. Ce qui est intéressant avec la gravitation et le magma. Mais le magma, c'est le fruit de la gravitation. C'est-à-dire que parce qu'il y a des forces gravitationnelles, les choses s'effondrent. Mais attends, j'ai bien vu qu'il y avait un truc là, non? Non.
Non, je vais pas jouer à ça, je vais pas faire ce truc. Bon, j'ai rêvé, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une source d'énergie illimitée. D'ailleurs, en fait, quand on... le fameux challenge à inventer un moteur perpétuel, qui est impossible, même s'il y a beaucoup de gens qui, chaque année, présentent leur moteur perpétuel, un mouvement perpétuel. Il y a marqué que vous ne pouvez pas utiliser la gravitation. Enfin, mettre un satellite en orbite, c'est pas avoir un moteur perpétuel. Ah si, à 700 mètres. Bon, on va voir ce qu'il y a sur la Terre d'intéressant. Un repère naturel. Ok, on va voir ça. L'avoir un petit petite voiture serait pas mal. Il y a des vibes Skyrim dans le désert. J'aimerais un jour qu'on inscrit, mais peut-être que l'enclume ça se passera un peu dans le désert, enfin le TES6. Vous êtes chaud ou pas pour TES6? Peut-être vous êtes pas là. Vous vous en moquez de tout ça. Ah, l'ANR, je connais pas trop malheureusement comment ça fonctionne. Et hey, salut Ken Bogart, ça va? Tu joues un peu à Starfield ou pas? Je sais que t'aimes pas trop ce type de jeu. Enfin, peut-être qu'il est, il est là ou pas. Prof de maths. C'est vrai que je joue un prof de compta. Bah, c'est intéressant parce que... Alors, on parle pas trop de maths ici, mais on a parlé de, ben, à l'instant de force tellurique. Alors je suis sur la Terre, et je suis à Londres plus précisément. C'est joli, non? Ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, hein, quand même. On s'y croirait, non? Pour exploiter l'énergie dépensée dans la recherche du mouvement perpétuel pour alimenter un moteur. Alors c'est justement... Il y a aussi Sylvie Benzoni, là. Elle me disait que... Elle m'a dit... qu'elle recevait à l'Institut Poincaré, ils reçoivent en permanence des démonstrations mathématiques d'amateurs, mais très farfelues, tu vois. Si j'étais méchant, je dirais niveau Idrissa Berkane, mais en vrai, je me suis un peu gossé. Oh, c'est joli, ce caillou est joli. Je me suis un peu gossé de. Idriss, mais j'ai lu son papier, okay, sur la Golden Gate Theory, et c'est vrai que, enfin, les experts disent que ça n'apporte rien, je suis pas capable de juger, d'accord. Mais en tout cas, comment dire, il y a un vernis, il dit pas, c'est pas le Time Cube. Je sais pas si vous connaissez le Time Cube, mais voilà, c'est pas le Time Cube, quoi. Mais le Time Cube, il est devenu légendaire, c'est devenu un mème, quoi. Yippie-Kai, tu viens de suivre. Donc tu vois cette petite colline là, j'appelle la colline Yippie-Kai. C'est joli quand même, non? Ça c'est mon vaisseau, c'est un Econo Hall, je viens de l'acheter. Je suis même pas ouf. Ah! Boum! C'est vrai que sur la Terre, on a... Oh, elle est là, la Lune! Je l'avais pas vue. Sur la Terre, on a une gravité de 1. On peut faire voyage rapide sur la Lune ou pas? Alors, il est où ce gisement naturel là? Salut Yippie-Kai. Ah, une grotte! Waouh! Peut-être qu'on va trouver des trucs. Elle est où la grotte? Incroyable! C'est quoi ça? Ah, c'est un truc fondu. Ah, il y a un truc devant là, incroyable! Qu'est-ce que c'est? Un gilet de sauvetage? Du fluor. De l'alcane. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des bruits. Vous entendez les bruits ou pas? On est sur la Terre là. Hein.
que c'est que ça? Ça doit être des pionniers, du spatio-scotch. Là-dedans, il y a quoi? Ils ramassent des trucs, des graines. J'ai l'impression qu'ils sont tous morts parce qu'il y a des bestioles affreuses de l'espace. Il y aurait de la vie sur la Terre, alors. C'est quoi, ça? Il y a un bruit, là. C'est du chlore? Putain, ça fait peur un peu, ça, ce truc-là. On dirait quoi? On dirait un truc fossilisé de je sais pas quoi. D'arbre, peut-être. Parce qu'on est sur la Terre. Ok. Bûche en bois, salut. Là, y a rien dans ça. Bon, s'il y a quelque chose, ça me dépasse. Il y a un truc dégueulasse qui tombe du plafond, mais c'est gigère quoi, quoi. Ok. Bon, c'était pas mal. Je suis sur mon ordi, mais je stream ma Xbox Series X. Haha. En fait, il y a quelque chose qui est affreux avec la vie et la mort dans l'univers, au niveau science-fiction et galactique. C'est que la vie, déjà, il y a vraiment deux opinions. Il y a des gens qui disent la vie, elle est partout et elle s'accroche, tu vois. Et elle n'est pas forcément organique. On peut imaginer que dans l'immensité du Soleil, les courants de convection... il y a un truc qu'on dirait là-bas, là. Là aussi, tu vois, on dirait qu'il y a des choses, des bâtiments. Les courants de convection sont tels que ils peuvent créer, pourquoi pas, des formes de vie intelligentes qui sont incompréhensibles. Alors, on va regarder l'émission. Je suis désolé, les raiders, je suis un peu endormi parce que j'ai fait un gros stream hier et j'ai mal dormi. Tous pour un. Faut que j'analyse, ça peut être Nira, non. Est-ce que je vais à Néon? J'ai plein de chier Néon. Faction. C'est quoi? Bon, allez. Je vais à Néon, ok? Je vais faire mon entretien de recrutement. Voilà, vous avez gagné, j'y vais. Voilà, je... De toute façon, c'est un saut de Olympus, je crois. Donc... Salut Farframi. Il est beau, hein? J'ai acheté ce vaisseau. Alors, c'est un vaisseau de type A, donc il n'y a pas besoin d'upgrader son vol pour le faire. C'est un Econohull. Et il coûte 94 000. Je vous avoue que. Heureusement que je suis kleptomane. Hein, parce que j'ai levelé ma compétence vol. Au sens de voler des objets, vous voyez ce que je veux dire? Bah. Pff. Idéalement, il faudrait que je détruise des vaisseaux pour augmenter ma compétence, mais bon. Allez, c'est parti. Boum. Bloup, 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 bloup. Allez, c'est parti. On décolle, vous êtes prêts? Bah non, parce qu'en fait, Nilen, je t'explique pourquoi. Même si j'arrive à détruire 5 vaisseaux et à leveler... Je vais pas m'acheter tout de suite un truc de type B ou C, tu vois. Mais c'est vrai que j'aimerais bien lever les rapidement. Ce serait cool. Voilà. Boum. Alors ensuite, faut aller par où? Je commence à me faire à l'interface. Elle est pas très intuitive. Tout, 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 tout. Vous êtes prêts pour le... Attention, il y a un petit bout de roche qui va me heurter. Ah, tout à fait, alors. Pour les gens, question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il y a une histoire principale? Oui. Dans les Bethesda, en fait, t'as toujours une histoire principale. Qui
qui va te montrer tous les lieux importants. Tu vois, par exemple, dans Morrowind, ta quête principale, elle va t'amener à côté de la quête des assassins, de la guilde des assassins. Et effectivement, tu peux débloquer la guilde des assassins, tout ça, mais... Attends, alors il est où le... Voilà. Parti. Non, je vais pas ouvrir la carte, je vais pas ouvrir la carte. Bon, ok. Ouvrons la carte, parce qu'on doit l'ouvrir. Et je dors un peu, donc je suis pas très bon en roleplay aujourd'hui. Et donc oui, il y a une mission, je pense qu'il y a une quête principale en 10 ou 11 étapes. Donc tu sauves le monde. Mais après, le monde, enfin, ça s'ouvre. C'est une mission, c'est une quête principale slash tuto, tu vois. Mais c'est... Alors nous voici à Néon, c'est une plateforme pétrolière un peu cyberpunk. Et je vais passer un entretien de recrutement pour être secrétaire. Parce qu'en fait, je vous montre, je suis un comptable. Alors, tout à l'heure, il m'arrivait quelque chose d'affreux, c'est qu'ils vendent des storage, tu vois, des petits... comment ça s'appelle hein? Là, putain, là, je suis tellement de fois allé à la prison, là. Elle, je l'ai insulté tout à l'heure, elle est gentille, mais... j'ai tout l'arbre de quête qui s'est effondré, parce que il y avait une réplique marrante et je l'ai dit, tu vois. Ah, on peut aller à Tranquillité. Attends, chez Taïo. Star Citizen. C'est quoi? Vous êtes le... Bonjour monsieur, madame. J'ai rempli un CV. Je peux vous prendre un mouchoir d'abord? Je peux? Merci. J'ai rempli un CV. Vous devez être l'une des personnes qui m'ogène Salzo fait passer en entretien. Oui, tout à fait. J'ai sauté... Ok. De 69. Gauche. Et prenez l'escalier. Gauche. À gauche et continuez. Quoi? Droit jusqu'à son bureau. Ça fait un peu la direction. Ouais, j'ai rien compris. Dites-moi si vous voulez que je vous accompagne ou si vous avez des questions. J'ai quelques questions. Je pourrais peut-être vous répondre. Et qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mes trois qualités, trois défauts. Allez, entretien de recrutement avec les viewers. Je veux trois qualités et trois défauts. Moi, mon défaut, je l'écoute même pas. Parce que je suis dans ma tête, tu vois. Et moi, je dis mon défaut, c'est que je suis beaucoup trop perfectionniste. Et je suis beaucoup trop ponctuel aussi. Je suis perspicace. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Imogen? C'est un mec qui devient fou. Impitoyable. Ah, moi, les DRH en tailleur impitoyable, c'est complètement mon style. Ça me... J'aime l'argent. Je suis cannibale. Ah, c'est ça. Mes défauts, beaucoup, beaucoup trop impliqués. Je suis beaucoup trop impliqué dans mon job. Je pourrais mourir pour mon entreprise. J'adore bosser gratuitement. Mon défaut, bah vous savez, je suis surdiplômé, j'ai pas vraiment besoin d'argent, tu vois, c'est pas je négocie jamais mes salaires, c'est ça un peu mes défauts, tu vois. Moi je crois que je le sens bien. Bien. Mieux vaut ne pas trop faire attendre Imogen. Mon interlocuteur, si vous voulez que je vous montre le chemin. Je peux trouver le bureau moi-même, s'il vous plaît. J'ai compris que c'était un test. Je vous reverrai quand vous aurez terminé. Arrêtez de me regarder. C'est bon, vous pouvez tourner la tête. Mais tournez la tête, bon sang. Mais arrêtez de me regarder. Voilà, on se détend, très bien. Il a combien sur lui? 900. Oh putain. Ok, d'accord. Je sais. Vous savez quoi? Je vais d'abord faire l'entretien et après je volerai des gens. Faut que j'aille où déjà? Alors faut que j'aille à gauche, il a dit. Il a dit plusieurs fois gauche. Gauche. Après, il s'est énervé en disant droite. Gauche. Imogen et Yuko nous mènent à la baguette. Ah ouais? Pas le temps pour l'instant. Ok, bah t'as le temps de t'arrêter de me parler, quoi.
Oh, c'est joli ça. Non. Une lampe jardinière, c'est joli. Ok. T'imagines le gars. Regarde, imaginez, je peux m'asseoir là ou pas? Imaginez, c'est mon bureau. Regardez la taille de l'écran. Il est, je suis à 1 mètre, je suis à 30 cm d'un écran gigantesque. Alors. Peut-être qu'il m'a dit de monter les escaliers. Ne vous promenez pas dans les zones interdites. C'est une zone interdite là ou pas? J'ai envie d'appuyer sur ce bouton là, je peux? Non. Ok. J'ai l'impression d'être dans une zone interdite. Monsieur Rieu. Ah non, c'est les toilettes. Je voulais lui parler, mais non. Ça a l'air d'être rouge, donc j'ai l'impression que c'est interdit ici. C'est vraiment, ça descend. Hein. Il m'a pas dit d'aller aussi loin, je pense. Tu vois, mais. Je suis où? D'accord, ok. On va remonter, hein. Oula, t'es qui? Bonjour, monsieur. Pas de problème. Pas de problème. C'est mon métier, c'est mon surnom. Attends, je suis pas venu par là? Qu'est-ce que t'entends? Et vous avez une prison? J'ai bien fait de pas voler le gars. Ah, j'avais loupé le train. Salut Swartowski, je cherche. Je dois passer un entretien de recrutement. C'est vraiment la panique. Tu vois, c'est ça de pas demander. Tu demandes pas. Ah, attends, peut-être que je dois passer cette porte. C'est bizarre de passer par là quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble étrange. Ok. Alors. Salut. J'attends des infos, comme d'habitude. Salut, April. Salut. Besoin de quelque chose? De crédit. C'est marrant comme on appelle ça les crédits. Bonjour, madame. Je vous ai à l'œil. D'accord. Salut. Je peux vous aider? Vous m'interrompez. Était-ce un rendez-vous? J'ai envie de gifler parce que je suis fatigué. Oui, j'ai fait une demande pour ce créneau. J'en doute. Je vérifie régulièrement mon planning et cette conversation n'était pas à l'ordre. Ah ouais? Moi aussi j'ai un Excel, tu veux que je te le montre? Si le temps est de l'argent, autant dire que Madame Serrano ne va pas être contente de cette dépense superflue. J'ai très envie de le... Ce que Madame Serrano ignore ne veut pas lui faire du tort. Je sais que vous êtes d'accord, mais... Ok, laissons-la en dehors de ça. Et comme vous avez visiblement de la bande passante à revendre, peut-être pourriez-vous m'aider à corriger une petite imprudence. Les corrections, c'est mon métier. Est-ce qu'il faut en parler avec la direction? Je peux vous aider. Je vais le vendre pendant mon entretien de recrutement, ça va être extraordinaire. Récemment, je suis venu en aide aux pauvres du reflux et du... Ah putain! Je paye pour un repas, une visite à la clinique ou un peu de confort occasionnel. C'est vrai? Mais ce faisant, putain, je le détestais, je suis obligé de l'aimer maintenant. Chier! J'ai besoin que vous la trouviez et me la rameniez. Je te trouverai votre tablette. Alors, nous avons un accord. Bien. Les objets perdus sont sa spécialité. Si vous arrivez à mettre la main... Est-ce que j'en parle à la direction? Contractuellement, oui. Je préférerais éviter cet embarras. Normalement, je n'ai aucun... Cet incident... Très bien. À la prochaine. En tout cas, c'est un bénévole, donc... J'espère que vous avez mieux potassé que le candidat précédent. Potassé, c'est mon... J'espère que... Enfin, vous allez me demander des choses sur quoi. Elle est pas mal, Imogène, hein. C'est une meuf alors. Ouais. Alors. Ah putain, ok, elle a un panopticon. C'est-à-dire qu'en fait, elle, c'est la DRH, elle se met comme ça, elle regarde si les gens glandent ou travaillent. Super ambiance, ok. Super. Ah, une géode. Ah, je suis déjà en confiance. Excusez-moi, je vais tenter quelque chose. Attends, on va voir un petit peu. Ah, 780 crédits, c'est pas mal. Hop.
J'intitule cette photo Dispute dans l'entreprise. Non, j'essaie d'avoir mes deux mains quand même. Ok, allez, parlons. Ah, je pourrais peut-être pirater son ordinateur. On verra ça plus tard. Ok, je m'assieds. C'est là que je m'assieds, madame ? Bon, mettons deux, trois choses au clair. Je suis Imogen Salzo, spécialiste des opérations seniors chez Ryujin Industries. Moi, je m'appelle... Normalement, je fais pas okay. d'entretien. Mais ma collègue Yuko est actuellement d'accord. Exposée. Moi, je m'appelle... Nous avons un poste administratif de niveau débutant à pourvoir. Apparemment, notre algorithme a fait n'importe quoi et estime que vous correspondez à nos attentes. Ah bon ? Un point que j'aborderai ultérieurement avec notre service technique. D'accord. Mais d'abord, à nous deux. Comment c'est payé ? Pourquoi voulez-vous travailler pour Ryujin Industries ? Pour vous, je vous trouve magnifique. Pourquoi pas ? Excellente question, mais l'enthousiasme ne fait pas tout. C'est pas la passion qui fait tourner notre entreprise. Ah bon ? Nous cherchons des collaborateurs qualifiés. Pourtant, c'était... Ma question suivante. C'était un peu mon... Trois qualités ou trois défauts ? Puisque vous avez indiqué n'avoir... Ouais, je dis, j'ai aucune expérience. Pourquoi pensez-vous disposer des qualifications nécessaires pour un tel poste ? Je suis impliqué. Ah, persuasion, c'est cool. C'est le premier... Je les ai pas, j'improvise depuis le début. Je peux conclure n'importe quel marché. C'est pour cette raison que vous êtes devant moi aujourd'hui ? Et non derrière les barreaux ? Si vous dites vrai, nos responsables de branche ne tarderont pas à s'arracher vos services. Jusqu'où va votre motivation à réussir ? Je me surpasserai. J'espère juste pas me faire virer. Croyez-moi, nos critères de performance sont tellement élevés que même faire le minimum syndical demandera beaucoup d'efforts. Alors si vous espérez vous la couler douce, ce poste n'est pas pour vous. Elle a des dents un peu dégueulasses. Certaines entreprises voient le turnover massif d'un mauvais œil, mais nous, nous en sommes fiers. Ah, c'est les pires, vous êtes et les pires. Enfin, la dernière question. Si on vous embauche, où vous verriez-vous dans 5 ans ? Dans 5 ans... Alors, je vous pose aussi la question, les viewers. Vous voyez où dans 5 ans ? Alors, moi, je vais répondre pour moi, Fibre Tigre, et pour Fibre le héros. Donc, dans 5 ans, c'est moi qui dirigerai cette entreprise et je vous virerai. Je préfère les complexes. Ça m'étonnerait que je tienne 5 mois. Ok, alors. Oui, dans 5 ans, je dirigerai cette putain d'entreprise. Même si je me verrais bien sur une petite planète tropicale, avec une petite maison à côté d'une plage, tu vois, tout seul. Mais bon. Oui, je réfléchis. Ne paniquez pas, mais je contemple l'idée d'arrêter Game of Thrones en 2024. Voilà, c'est une idée que je contemple. Je la regarde, tu vois. Voilà. Parce qu'en vrai, je gagne pas tellement d'argent et je vois pas comment je peux en gagner plus. Et je sais pas, peut-être j'ai envie de changer de truc. Voilà. Et sinon, dans 5 ans, peut-être j'aurai un enfant. Peut-être pas. Ah, je suis vieux quand même. Alors, où je me vois, je sais pas, mais où j'aimerais être, j'aimerais avoir une belle maison au bord de la mer. Ça, vous cherchez la réponse idéale ? Oui, c'est ça. J'aimerais avoir une maison au bord de la mer. Voilà. Bah, j'ai pas de problème à remplir le frigo. Le frigo est bien rempli, mais en gros... Je reçois beaucoup d'offres d'emploi, enfin tu vois, c'est comme je suis vieux et que je sais écrire des histoires interactives, et en vrai, en français natif, enfin, il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que moi, je suis à la confluence de deux trucs, c'est que j'ai commencé très tôt, vraiment j'ai commencé à faire de l'interactive fiction à haut niveau en 2000, et je travaille tout le temps, y compris samedi dimanche, tu vois. Donc tout le temps, depuis.
Et en fait, ce que j'adore dans Game of Thrones, c'est que je raconte une histoire et hop, elle est jouée 15 jours plus tard, tu vois. Mais, hop, parfois, je reçois des propositions de belles boîtes de jeux vidéo qui cherchent un narrative designer. Je me dis, c'est dommage de passer à côté, mais d'un autre côté, j'arriverai pas psychologiquement. J'ai jamais eu de patron, je pense pas que je pourrais supporter d'avoir un gars qui me dise, bon, on fait comme ça, tu vois. Voilà. Donc, un backflip 10K par mois, ça me semble énorme. Je crois que si on est à Vous plus cherchez la réponse de. idéale? Enfin, t'es vraiment 10 fois plus que le salaire médian, hein. C'est beaucoup. Voilà. Ouais. Ah, c'était ironique. Non. Mais après, je connais des gens. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui gagnent 10K par mois. J'en connais même un qui gagne 12K par mois, tu vois. Et ils disent à la fois, oh, j'ai beaucoup de chance, et à la fois ils disent, oh, si j'avais un peu plus, ce serait quand même très bien, tu vois, je pourrais m'acheter ce petit truc, tu vois, que j'ai envie. Donc, je sais pas trop comment dire ça. Ça doit être les nerfs. Je sais pas, peut-être que je ferai du Game of Thrones toute ma vie, ça dépend. C'est dur quand on fait. Excusez-moi pour les blancs parce que je suis fatigué. En fait, ce qui est dur aussi, c'est que pour. Je pense que je serai jamais un grand streamer. Et si je dois avancer dans l'audiovisuel, je vais devoir travailler avec des gens. C'est dur. J'ai travaillé quelques boîtes et vraiment, c'est dur de faire du jeu de rôle avec des boîtes qui sont pas Ghosting parce que Ghosting, ce qui est hyper agréable avec eux. C'est qu'ils disent, bon, fibre. Enfin, tu vois, en fait, la mentalité chez Ghosting, c'est le réal, irréal, et personne ne le fait chier. Le mec du son, il fait du son, et personne ne le fait chier. Et moi, ils me disent, fibre, t'as ton scénario? Oui, et personne ne me fait chier. Ils ne reviennent pas dessus. Ils ne me demandent rien, zéro compte, rien, sur les angles, rien du tout, tu vois. J'arrive et je fais ce que je veux, tu vois, parce que est-ce que je pense être bien. Et dans toutes les autres boîtes, quand j'ai fait des jeux de rôle dans d'autres cas, les gens me demandaient le scénario, tu vois. Et t'as une personne qui n'y connaît rien, qui n'a jamais fait ce métier, et pour cause, on est genre quatre à le faire, et voilà, tu vois. Et personne l'a fait autant que moi dans la durée en langue française, tu vois. Et ils viennent me dire, ce serait bien de changer ça, ça, ça. Enfin, j'ai envie d'être violent, tu vois. Enfin, j'ai vraiment envie d'être violent quand ça arrive, quand on te dit ça, tu vois. Comment tu réagis? Tu dis, bah non, espèce de con, tu vois, c'est. Enfin, comment dire, quand je l'ai fait, c'est que je pensais que c'était le mieux possible, tu vois, c'est fou. Donc. Bah, je sais pas. C'est vrai. Après, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est. Je parle aux gens qui sont. Moins de 40 ans. Moi, j'ai 45 ans, mais mentalement, j'ai moins de 40 ans. Les gens qui ont moins de 40 ans, il y a quelque chose qui est important, c'est que vous allez avoir plusieurs métiers dans votre vie, tu vois. Vous allez faire un Oui, de tout truc temps. et un autre truc qui n'a rien à voir, tu vois. Vous n'allez pas être dev junior puis dev senior. Vous allez peut-être être dev. Puis un jour, vous allez claquer la porte en disant, je me casse et vous allez fabriquer des gâteaux. Et puis après, vous allez faire ça à 5 ans. Puis il dit, putain, je me suis fait grave chier en fait. Et je sais pas, je vais être photographe, tu vois. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est totalement dans l'air du temps et admis. Et ça, c'est chouette aussi. Mais le fait de repartir à zéro, c'est compliqué. Parce que quand tu repars à zéro, t'es à zéro, quoi. Voilà. Putain, il y a un orage pas loin. Hein. Alors, la vocation, c'est un truc, mais. J'ai vu un. Comment ça s'appelle? J'ai vu un. Alors je déteste. Il y a Chercher une la BD que réponse j'aime pas trop idéale. parce que je la trouve pédante. C'est Saturday Morning Breakfast Cereal. SMBC. Parce que je trouve que c'est un gars. Il fait des blagues qui sont rigolotes. Mais il est érudit. Et ça, je le conteste pas. Par contre, ses blagues sont un petit peu. Pour placer un petit peu des petites vannes universitaires, tu vois. Mais j'ai vu un truc assez touchant de sa part. C'est.
comment s'appelle, il y a cette idée de dire comment prolonger sa vie. Et en fait, il répond en disant combien de vies vous allez avoir dans votre vie. Sachant qu'il faut 7 ans pour maîtriser parfaitement quelque chose, paraît-il, si vous l'exercez, en fait, vous avez la possibilité de faire X fois 7 ans dans votre vie quelque chose. Je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc... deux métiers principaux. Le dev, c'est dur. Mais moi, je trouve que le dev, ça, tout dépend le contexte. Si t'es dans une boîte où t'es un mercenaire, tu passes d'une boîte à l'autre, c'est dans une boîte où t'es maltraité. Vraiment, on peut pas... Vous savez qu'en ce moment, on a parlé des gens toxiques, on a parlé du harcèlement scolaire, mais il y a un truc dont on parle à peine, mais qui est vraiment ultra répandu, c'est la toxicité en entreprise. On ne peut pas imaginer la violence des entreprises, la violence des grandes boîtes, elle est hyper existante, tu vois. Il y a eu des... Souvenez-vous de l'affaire des suicides à Orange, tu vois. Les petites PME, ça doit être terrible. Terrible, 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 tu vois. C'est vraiment... voilà, bref. Allez, go. Ah, tu es policier depuis 7 ans, Barrett. T'as des petits boulots. Non, mais effectivement, en fait, Barrett... Et puis, Barrett, flic, c'est autre chose, parce que flic, déjà, tous les jours, c'est un petit peu différent. Mais il peut t'arriver un truc, tu vois. Il peut t'arriver un truc, il peut... Tu vois, tu peux te dire... tu peux perdre aussi foi dans le système. Moi, souvenez-vous, les infirmières, tu vois, flic-infirmière, c'est un peu le... Enfin, tu vois, c'est un peu la même vocation. On est dans le service public, on veut aider les gens. Les infirmières, pendant le Covid, elles ont été maltraitées. Et elles ont dit « Ah, d'accord. Donc moi, je suis le rempart, j'ai une mission, j'ai une vocation, j'y crois. Mais quand tout part en couille, le gouvernement, il m'applaudit à 20h, mais c'est tout ce qu'il fait. Ben, je me casse, tu vois. Et je finis le Covid et après, je me casse. » Et il y a eu une perte terrible des infirmières. Donc il y a aussi parfois la société qui est telle que ça te rejette, tu vois. Voilà, bref. Bref, allez, dans 5 ans, c'est moi qui dirige cette entreprise. Ce qui importe ici, c'est de s'associer avec les bonnes personnes. Pas de problème. Si vous faites bon usage de vos compétences... Le mec, il est arrivé, il a dit, j'ai un ancien passé de délinquant et je ne sais rien faire, mais dans 5 ans, c'est moi qui dirige cette boîte. Au moins, il est motivé. Comme j'ai 1 million de choses plus importantes à faire que ça et qu'à la base... Allez, le poste. ...une période d'essai, bien entendu. J'ai un casier judiciaire. Allez chercher le café chez Terabon. Ce sera votre première mission. Une tâche aisée. Impossible à foirer. Vous avez de l'argent ? S'il y a la queue, passez devant. Dites que c'est Imogène Salzo qui vous envoie. Alors, premier acte d'entreprise, je vole mon patron. Et ça, c'est un vrai acte capitaliste. Boum. J'ai envie de voler la code d'accès aussi, ça peut être utile, non ? Allez ! J'ouvre son ordinateur devant eux. Annonce. Congé payé. Putain, je peux faire des trucs de fou là. April, tiens. Congé payé. Ok. Ah, je peux pas faire les rapports personnels. Bon, ok. Pas grave. Ok. Je vais être le plus grand voleur de la galaxie. Le plus grand pickpocket de la galaxie, ce sera moi. C'est toi, April Swenet ? Salut. Vous voyez pas que j'ai du travail ? Ben, écoutez, moi aussi j'ai du travail. Hop. On va chercher le café chez Terabrou. En fait, si en vrai, si t'as un jeu comme Skyrim ou Starfield et t'as un délire où t'es stagiaire et t'as plein de petites missions de merde, genre fais les photocopies et tout ça, et tous les jours t'as un truc comme ça, ce serait vraiment incroyable. Alors les profs, moi j'ai une théorie sur les profs, c'est qu'en vrai, déjà, en fait, il y a des gens, ils ont un parcours de succès à l'école. C'est-à-dire qu'en gros, tes parents s'en foutent un peu de toi, t'as pas de petite amie,
Enfin, tu vois, et t'as des profs qui te disent waouh, mais bravo, Jocelyn, tes notes elles sont super, t'es génial, tu vois. Et en fait, tu t'aimes bien et tu commences à rentrer dans le délire des notes, tout ça. Merci d'avoir choisi Terrabon. Je suis récupéré une commande pour Imogen. Oh, la commande de Ryujin, ça doit être votre première fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Tomo? Je me suis fait virer. Voilà ce qui s'est passé. Tomo, on t'a viré. T'es qu'un nul. T'es un nul. Et tu sais, je peux vous dire, c'est que si l'école, c'est un truc que t'aimes bien, peut-être t'as pas envie de sortir, en fait. Tu restes prof, tu vois. 4 ans derrière un bureau, à chercher le café, à lécher les pieds de Madame Oularouchen, pour me faire remplacer par ça. Par ça. Regarde, regarde mon gros ventre. Regarde mon style dégueulasse. Regarde que je suis chauve. C'est-à-dire, en gros, là où t'as des cheveux, j'en ai pas. Et là où t'as pas de cheveux, j'en ai. Ok. Et pourtant, j'ai pris ta place. Et tu sais quoi, j'ai un casier judiciaire. C'est-à-dire, à quel point t'es une merde. Voilà. Qui est Oularouchen, d'ailleurs? Vous connaissez même pas la boss de votre boss? Oularou est la responsable des opérations de Ryujin. Plus exactement, leur requin de service. Si elle sent du sang dans l'eau, vous êtes déjà mort. Ah, très bien. C'est dur ce que vous arrivez. Je suis désolé pour toi. Ouais, c'est ça. Personne n'est jamais désolé. Ouais, mais moi, je suis désolé, ok? Attends, tu veux que je te frappe? C'est qu'une question de temps qui vous envoie me régler mon compte. Et je compte pas me laisser faire. Croyez-moi, c'est vous ou moi? Alors là, ça c'est intéressant. Alors là, j'aime beaucoup cette histoire. Je trouve ça hyper bien. Je trouve ça hyper sympa. Et les flics, ils arrivent pas. Je trouve ça quand même très, très sympa que tout ce qui se passe là, parce qu'on parle un peu prof, tout ça. Comment ça, c'est vous? Bah, attendez, on va pas se tirer dessus, monsieur. Allez! Vous savez quoi? Vous avez une chance de prouver que vous méritez. Le mec, il est tellement matrixé qu'il veut que je lui prouve que je suis bon pour prendre sa place, tu vois. Mais non, mais vous êtes matrixé, monsieur. Je suis un agent d'élite. Vous avez vu ce... Je suis un agent d'élite. Si vous m'attaquez, vous mourrez. Je vous... Dans d'atroces souffrances, même. Vous ne pouvez pas avoir autant de talent. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis espèce de poste. Ni vous, ni moi, nous voulons que le pire se produise. Personne ne veut ça. Personne. Très bien. Là, on avance. Là, on avance. J'essaie de rester raisonnable. Il a bien... Je comprends pourquoi il a été viré, le gars. Tôt ou tard, Oularou vous enverra à mes trousses. Bah bien sûr, et ce jour-là, je te tuerai. Vous vous souvenez que lors de notre rencontre, je vous ai donné une chance de me faire entendre raison. Pourquoi il m'en... Je peux pas vous faire cette promesse. Il a l'air tellement triste. Ok. Oh putain! Oh putain! Il a 1300 crédits. Oh là 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 là. Il faut absolument que je le pécho là. Je devrais mettre quoi, tu m'as dit? Je pensais à quelque chose de classe, mais dis. Ça a l'air génial. J'aurais jamais dû aimer votre chaîne. Je vais devoir regarder par-dessus mon épaule, mais là, un bon. Putain, mais arrête-toi de bouger là! Je suis en train de le filer là. Filature. Il va où? Yes, 1348. Putain, c'est une mauvaise journée pour lui. Hein. Ah, je l'ai piqué toute sa thune. Excusez-moi, je devrais pas rire. C'est terrible cette histoire. Ouh. Alors, ce café, il vient? Ouais, j'ai compris, hein. Vous avez vu ça? Vous avez vu le... Mais n'oubliez pas de leur faire votre rapport. Je vous prie de m'excuser. Vraiment? Je m'étais pas autant amusé depuis des mois. C'est moi qui devrais... Ah, et bah, faites allonger la monnaie. Allez. Oui, bien sûr. Tenez. Oh, et dites bien à Monsieur Cho que les opérations de maintenance nécessaires ont été faites. J'ai vérifié 3 fois la qualité des grains et... erreur ne se reproduira jamais. Je vérifie la qualité des grains, si ça vous permet. Vous permettez. Putain, il a rien, elle a rien, elle a que dalle. Trop de la merde. Attends, attends.
Est-ce que je peux pas la prendre, mais... Genre, j'essaie de la faire bouger, mais pour lui envoyer dans la tête, mais bon. Allez, c'est parti. J'adorerais être un petit chef. Je devrais faire un jeu vidéo sur ça. Où tu rentres dans une entreprise, tu sais pas ce qu'elle fait, mais t'es stagiaire. Et tu fais que des trucs de merde et tu deviens un petit chef. Et en fait, tu sais, à aucun moment tu sais ce que l'entreprise fait. Mais tu évolues dans les... Regardez, je cours. Moi, je suis un véritable employé. Merci sous-produit. Allez, allez, ça bouge pas trop là. Vous faites quoi, madame? Bah non, Imogen Salzo, moi je l'ai dans la poche. J'espère pouvoir finir rapidement cette mission. Dites-moi, il y a un pickpocket qui vole l'argent des gens. J'espère que ce café est encore chaud vu le temps qu'il vous a fallu pour aller le chercher. Vous allez devoir apprendre comment fonctionne la ville ou comment gérer les distractions. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai croisé un de vos ex-employés. J'ai entendu parler de l'incident avant. Ah putain, mais c'est ça, mec. Vous savez, mon défaut, c'est que je suis trop honnête. L'affaire Tomo a attiré l'attention sur vous. Et nous aimerions vous confier d'autres responsabilités. Pas de problème. Vous voulez que je tue si quelqu'un? Tomo n'est pas là pour se plaindre. Votre nouveau rôle commence maintenant. Félicitations pour votre promotion. Pas mal pour un premier jour. Vous n'êtes toujours pas payé. Hein. J'espère que ça veut dire que j'ai une augmentation. Yes! Tout risque mérite une récompense. Je vous promeux agent junior. J'ai envoyé 46 crédits mais pas. Un peu plus compliqué et totalement confidentiel. Votre principale tâche consiste à influencer le cours des choses pour assurer la réussite de l'entreprise. C'est-à-dire, il faut que je prie? Non, j'ai aucune question. Parfait. Votre question s'annonce plus facile que j'aurais cru. Allez, c'est l'heure d'un petit café. Ça va me faire du bien. Et puisque Yuko ne vient toujours pas, vous pourrez garder le sien. Les autres vous attendent avec impatience dans la salle de conférence. C'est parti. Ça va, mon vieux? En tant que technicien, gère le travail préparatoire et post-opérationnel. Le début et la fin, ainsi dire. 780 crédits. Mais alors, me regarde pas, tourne la tête, là! Pickpocket, pickpocket, il y a un pickpocket. Pickpocket, pickpocket, pickpocket. Où est-ce qu'il y a des pickpockets? Non, les vierges, ils ont pas le time. Ok, alors c'est pas tout ça, mais il va falloir. Excusez-moi, je suis. Bah, leur logo est méga. Waouh, cool. Qu'est-ce que... Si seulement je pouvais revendre des trucs volés, quoi. Mais où est-ce que je peux les trouver? Ah, pour faire du pilates. Ok, on va regarder dans cet ordinateur. J'arrive. Poste de travail. Allez, on pirate le verrou. Comment ça marche? Ah, il faut un aligneur. Pff, j'espère que ça vaut le coup. J'espère qu'il n'y aura pas des emails de merde. Hein. Sinon, je pète un câble. Alors, annonce. Ça, j'ai vu. Ok. Ok. Message. Demande de matériel de Yuko. Dalton. Ça, c'est moi. C'est ma recrutement. Des plaintes. Mm-hmm. D'accord. Donc, lui, Camden, il déteste Bayou. Ok. Très sympa. On va récupérer tout ça. Si je lui vole. Attends, je peux voler des trucs? Ah non, je peux pas voler le granola. Mais je peux voler ça. Cette corbeille à papier. Boum. Y a pas de petit profit. Moi, je vais à l'entreprise, je vole des feuilles. Je vole des stylos. Vous savez quoi? Je vole même du papier toilette. Et vous savez quoi? Je me retiens de faire caca chez moi.
J'attends d'aller à l'entreprise pour utiliser l'eau. Ah, je pourrais même voler un extincteur. Non, je peux pas. Ok, on va commencer cette réunion. J'ai préparé des slides. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bonjour, vous êtes Alexis Price, c'est ça ? Enfin. Alors, voyons un peu ça. Bon, je ne suis pas là pour vous rendre la vie agréable. C'était vraiment agréable. Quoi ? Je suis Alexis Price. C'est moi qui dirige le service juridique. C'est vrai ? Je serai direct. En travaillant ici... Merci, Dractyl. Avec la loi sont aussi mes ennemis. Est-ce que vous avez... Arrestation. Est-ce que... Évitez d'avoir affaire aux forces de l'ordre. Est-ce que vous avez une opinion ? J'ai des relations avec l'administrateur Bayou et la Pola. La Pola ? Mais je préfère ne pas en abuser. Ok, faisons semblant de savoir. Mais que pensez-vous de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ? Je suis comme un fantôme, personne ne peut m'attraper. Ok, je suis le fantôme. C'est génial cette histoire de fantôme. Alors, comment vous appelez ? Madame. Bonjour, madame. J'ai beaucoup de mal à vous sentir. Oula, elle se trémousse de façon sensuelle. Et vous, madame Price ? Déjà, je voudrais juste savoir, vous avez quoi sur vous ? 780. Ils ont toujours. Bref. Bonjour madame. Bon, j'arrive pas à vous parler, peu importe. Attends, il y a un truc de ouf à faire. Il y a évidemment un truc de ouf à faire. Je suis Elon Musk, tu vois, j'ai une vision. C'est bien, elle regarde l'appareil photo, elle. Moi, j'explique, tu vois. Putain, c'est extraordinaire. Ah, on peut avoir des filtres. Poussiéreux, binaire, astral, ensanglanté, dystopie, grunge, sans blanchiment, abandonné, marais, noir et blanc. C'est génial, hein. Oh là non. J'aime bien abandonné. Ok. Ok, allez, parlons. Tu sais quoi, je vais me mettre comme ça. On va lui parler. Geneviève, j'adore votre nom. Ah non, je voulais pas vous voler, excusez-moi. Ouais, je suis obligé de vous parler debout. Ah, précisément ce qu'il me fallait. Imogen a dit qu'elle avait embauché quelqu'un. Je suis Geneviève, directrice du marketing et relations publiques. Ouais, c'est ma spécialité. Ça doit être vraiment un métier très difficile, le marketing. Ce n'est pas simple. Manager de la marque et spécialiste de la communauté. Salut la commu. C'est plaisir de mettre une tête sur un nouvel agent. La question que je me pose, c'est, allez-vous nous donner beaucoup de travail ? Je suis tel un fantôme. Ce qui m'importe, madame, qu'est-ce que vous entendez par... Ce qui m'importe, madame, ce sont les résultats, pas les méthodes. Vous avez carte blanche. Ça va être un plaisir de travailler avec vous. Allez-y. Sachez juste qu'une bévue de votre part entraîne de nombreuses heures supplémentaires et nuits blanches pour mon équipe. Par exemple, si j'assassine quelqu'un en plein milieu de l'arrêt. Vous preniez toutes les précautions nécessaires. Ou alors je fais une Carlito, c'est-à-dire je dis ouais, The Kyrie, pas si problématique comme il a fait cet après-midi. Ah, le café. On pourrait croire qu'on soutiendrait notre filiale en prenant plus souvent du Tranquillité, mais non, c'est du Terrabo. Ouais, oui. Vous êtes un peu les gens de Costa, c'est quoi, Costa machin, qui boivent du Starbucks. Putain, je prendrais bien un beau gâteau au chocolat du Starbucks, là. Je préfère de loin le Tranquillité au Terrabo, ah, de loin. Des amateurs de défendre. Je vous l'ai vu à votre... Christine va vous adorer. Ah, j'aurais dû lui en parler. Mise à part, permettez-moi de me présenter. Je suis Linden Calderon. Vous voulez vous présenter ? C'est moi qui déduirai les dépenses de votre paix à chaque fois que vous ferez une erreur. Ah, vous êtes pas, t'es pas au courant, Rocha ? En fait, il y a... Ouais, bref. T'as qu'à regarder sur Twitter. Je ne fais jamais d'erreur. Jamais. Vous n'aurez rien à déduire. Nous verrons cela. Au
qu'un agent n'a encore fait en sa faute. Pour l'instant. Cette présentation était intéressante. J'espère que nos prochaines rencontres... Je suis un fantôme, un mec qui pose aucun problème. Et allez, Camdem. Ah, c'est toi, Camdem. Donc t'aimes pas Bayou, toi. Regarde-moi déjà. C'est mieux. Camden Cho, responsable de la chaîne logistique. Je veux te dire, Imogen, je l'ai baisé sur sa table, je l'ai baisé de ouf. Et ouais, c'est comme ça que j'ai une promotion. C'est pas en allant chercher un café, c'est sûr. Je vous préviendrai si j'ai besoin de stylo. Très drôle. Mais pas faux. Il est... Oh le pauvre, il est humble. Je l'ai humilié, en fait, il est trop gentil. Les personnes à votre poste ne voient généralement pas le meilleur côté de Ryu. Merci beaucoup, Celtigon. Mais rassurez-vous. C'est gentil de me vous voyez. Expliquez-moi pourquoi vous me vous voyez, Celtigon. Est-ce que vous avez plus de 40 ans? Est-ce que c'est la première fois? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous avez 12 ans et vous dites, oh, monsieur Fibre Tigre. Peut-être que vous voyez tout le monde. Merci, je m'en souviendrai. Je sais pas ce qu'il a dit, parce que j'étais en train de parler à Celtigon. Bien sûr, vous vous ferez vos propres opinions au fur et à mesure. Gardez juste l'esprit ouvert. Ah, et merci pour le café. Bon, c'était génial, hein. Faut que j'aille parler à Imogen. Je peux les voler ou pas? On va voir si je peux voler un gars. Oh là 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 là! Est-ce que je peux leveler mon vol? Mon vol à la tire. Vraiment le truc le plus utile dans un space opéra. J'ai un point de compétence, trop bien. Allez, rang supérieur, boum! Je peux désormais voler les armes dans leurs étuis. Trop bien. Enfin non, pour la prochaine fois. Ok. Mais pourquoi vous vous trémoussez, madame? Vous avez envie de faire pipi? Ne me regardez pas. Faites comme si j'étais pas là. Oubliez-moi. Waouh, il a 1000 crédits. Oh merde! Excusez-moi. Salut. C'est Jean Benguigui. C'est vrai? C'est le premier stream que tu regardes parce que j'ai fait un stream incroyable un jour. J'ai fait deux streams fous. J'ai fait un stream. Oh, vous êtes en état d'arrestation. 1000 crédits. Sage décision. Maintenant. Tous mes efforts réduits à néant. Imaginez la DRH, elle me voit discuter aux gens, après elle me voit fureté, et après elle voit un garde qui m'arrête, tu vois, qui m'emmène en prison, et après je vais revenir, je vais dire ça va? Ah non, c'est là que je dois aller. Mais ah merci, c'est le Tigon. Mais non, mais c'est le Tigon. T'es gentil, c'est le Tigon. C'est le Tigon, je devrais dire. Ah ouais, il faut que tu regardes absolument un truc qui s'appelle « Je vole une part de pizza, ça tourne mal » parce que je fais mon premier haul, je vole une part de pizza et je me fais embarquer par une police secrète qui me tabasse et qui m'interroge en disant que je suis une ordure. Et qui me dit « Après, on a besoin des compétences d'un gars dans votre genre pour infiltrer un cartel. » Et après, j'en ai un très drôle aussi. C'est je tousse. Alors, je vais voir le médecin. Et le médecin, il est méga cher. Il est genre, il coûte 400. Ça va Je vous ai à l'œil. Ils sont encore là, les gens, ou pas? Merde. Je me trompais de. Il n'y avait pas une salle de réunion? Ah, ils sont là. Allez, c'est parti. On reprend à nouveau. Ne me regarde pas. En fait, dans le métier de voleur, je vous donne un tips. Il faut jamais abandonner. Jamais. Mais arrête de me regarder!
Là, elle peut plus se tourner. Je la fascine. Voilà. Et toi. Boum. Ok, je dois aller voir machin, machine, machine. J'ai hâte que ma prochaine mission commence. Faites pas attention, madame. Ouais, donc, excuse-moi, donc le médecin est trop cher, donc de haine, je vole le médecin, je vole la caisse dans le médecin. Et là commence une histoire incroyable de fuite, parce que je me fais pas attraper, mais je peux plus prendre le métro. Et donc, genre, je me jette du haut d'un barrage, je monte sur une pile de pont, fou. C'est... Ah, mais attends, parce que moi, je vais pas lui voler des trucs. Bonjour. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. C'était extraordinaire. Je sais que vous aimeriez connaître les cadres que vous affecterez dans votre travail. J'ai retenu au moins un mot d'ordre, ne vous faites pas prendre. Exactement. C'est exactement. Ça ne me surprend pas. Maintenant que vous avez vu quelques cadres, commençons. Nous avons des raisons de croire que nos amis de Celtcorp ont tenté de pirater nos serveurs de R&D. Tiens, Celtigon, c'est toi, les Celtcorp. Bonsoir, Lisa. Grosse erreur. Grosse erreur. Grosse erreur de leur part. Vous voulez que je les tue ? On peut pas leur permettre de décrocher le contrat. Ni même de Mais on peut même leur permettre de vivre. Je vais vous donner une tablette contenant un fichier que vous devrez charger okay. sur leur ordinateur. Si vous voulez utiliser la méthode douce, on utilise la méthode douce, c'est pas de problème. C'est un peu trivial pour quelqu'un comme moi. Je crois pas être capable de faire ça. Comment accéder à leur système informatique? C'est ce que j'appelle l'aspect créatif. Je suis un véritable artiste. Il existe toujours plusieurs manières de faire le travail par ici. Ouais. C'est comme si c'était fait. N'oubliez pas que ceci est confidentiel. Personne à Celtcorp ne doit avoir... Très envie d'aller à Celtcorp pour tout leur vendre. Quand votre méfait sera accompli, vous ne devrez laisser aucune trace. Ça marche. Voilà la tablette. Vous parlez au plus grand hacker de tous les temps. Regardez ses mains. Elles ont... Ok. Vous pouvez passer. Ah. Ça va, April ? Oh, April ! C'est moi. Qu'est-ce que tu as sur toi ? Mais non, mais t'en vas pas ! April, mais pourquoi tu recules ? Pourquoi tu avances à l'envers, April ? Ça, c'est pas banal. Voilà, c'est ça. Parfait. Alors, qu'est-ce que... Lui, j'arrive pas à le voler depuis le début, quoi. Il me pète les couilles. Bon. Il va falloir que j'aille... Putain, si je vais là-bas, le problème, c'est que il y a un garde. Tu vois, il est là, le garde. Donc, si je passe devant... Je vais me faire prendre. À moins que je puisse le contourner, parce que je suis un génie. Ah, une cantine! Je peux me servir? Waouh! Ah non, je peux pas. Ça, c'est quoi? Un distributeur. 75 crédits, putain, l'arnaque. Distributeur. Ah putain, un distributeur de café. Oh merde. J'ai rien vu. Attends, je pourrais le faire comme ça, là. Je suis en mode, je l'ignore, tu vois. Pourquoi il me regarde? Il me regarde pas! Ok, c'est pas grave, je passe. Voilà, c'est bien, il m'a pas vu, tout va bien. Salut. Salut. Bam, 900 crédits, et hop. Vous promenez pas dans les zones interdites. Toi non plus, gros. Voilà. Exactement, je suis un comptable. Prof de comptabilité, devenu mineur. Puis explorateur, mais là en fait je veux devenir le plus grand pickpocket de tous les temps. Ah, il y a un dragon en bois. J'ai acheté un très beau vaisseau récemment. Et également, j'ai des parents qui m'adorent. On se marre bien.
Je suis un peu inquiet parce que Kratu, ma femme, n'est pas rentrée. Attendez, je regarde. Excusez-moi, je regarde 2-3 choses. Ok, on est bon. Excusez-moi. Oh, j'ai pas vu ça. Ah oui, c'est le fou là. C'est Bayou. Bayou, il y a son nom en plus. Ça me rappelle un peu Deus Ex Shanghai. Je sais pas si vous avez joué à Deus Ex. Ça va, monsieur? Ah, c'est un garde. Je sais pas si ces zélotes de Baron. Ouais, je m'en tape de ta vie. Ils ont été séparés de la... Bye bye. Oh putain, il y a plein de trucs. Ouais, Hong Kong, excuse-moi. Non, il y a... Non, c'est Shanghai. Parce que... Ah non, c'est Hong Kong, ouais, dans le 1. Waouh. Des cailloux, je suis fan des cailloux. Alors ça, c'est quoi? Je sais pas. On dirait... L'argent, j'imagine. Ouais. Oh, c'est joli. Cette journée s'annonce magnifique. C'est... Ah ouais, elle s'appelle Clover, elle bosse chez Celt Corp. C'est les Irlandais contre les Japonais. Je ne change pas l'eau en vin. Je peux vous dire plus tard, hein, si je vous gêne. Vous êtes... Attendez une minute. Vous n'êtes pas là pour la dette de monsieur Okadigbo envers Celt Corp? Je m'appelle Clover McKenna, mais vous pouvez... Pas la peine de vous excuser, madame. C'est gentil à vous. Cette histoire avec monsieur Okadigbo et la société minière de Néon m'a vraiment déstabilisé. Ouais, pourtant, vous m'avez pas l'air du genre impressionnable. Normalement, oui. Monsieur Okadigbo a une dette considérable envers Celt Corp. Je lui ai donné plus qu'assez de temps pour essayer de trouver l'argent. Mais la patience de mon père atteint ses limites. Franchement, je sais pas combien de temps je vais pouvoir temporiser. Écoutez, je vais récupérer cette dette, vous inquiétez pas. Mais oui, vous inquiétez pas. C'est vraiment gentil, votre... Je suis très gentil. Hétérosexuel, mais très gentil. Cette blague n'est pas une blague homophobe, c'est une blague qui se trouve dans un film qui s'appelle La classe américaine. Alors... J'ai l'impression qu'il profite de votre bonne volonté. Saburo, je veux dire, monsieur Okadigbo. Ah, ça me rappelle quelqu'un, il y a un truc avec Saburo. Allez, je lui parlerai. Je gère. Et ne vous en faites pas. Pourquoi vous voulez que je l'appelle Chloé? Parce que mon père a un sens de l'humour ridicule et je ne supporte pas le nom Clover. Notre famille est irlandaise, bon sang. Allez. On se casse. Alors, cher Clover, vous avez combien sur vous? Boum. Ça commence à être très juteux tout ça. Hein. Boum. Bonjour, pardon, monsieur. J'ai du travail là. Ouais, d'accord, t'as du travail. Alors. Il paraît qu'il y a pénurie chez Reliance Médicale. Cool. Je les déteste, Reliant Médical. C'est vraie histoire, je les déteste. Je les hais de toute mon âme. Ok. Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai du 3? Ouais, j'ai du 3. Ah! 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 Ok, il va falloir que je devienne un génie. Alors c'est parti.
Là, ça a changé du coup. Donc si je fais ça, est-ce que j'en ai un normal? Est-ce que j'ai celui-là là? Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, si je fais ça... Non plus, ok. Ok, si je fais ça, est-ce que je peux faire ça? Non, toujours pas. Et si je fais ça? Non. Oh là là, ça m'a l'air compliqué tout ça. Et là peut-être? Non plus. Alors ok, là je peux pas les mettre. Là je peux éventuellement le mettre. Ah oui, je peux le mettre là aussi je crois. Voilà. Et donc là, ces deux-là on peut les mettre là. Non, toujours pas. Ok. Ok, donc là je peux pas le mettre. Là je peux... je pourrais le mettre éventuellement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement con quoi. Donc le quatrième, je peux pas le mettre là, c'est sûr. Ça, je peux éventuellement le mettre. Ça. Ok, attends, ici je fais ça. Bizarre. Attends, il y a un problème d'alignement là. Donc ça, c'est sûr, je peux pas l'utiliser. Ok. Ok, si je fais ça, c'est bon. Mais là, ça marchera pas. J'ai pas les bons alignants ou quoi? On est d'accord qu'il m'en manque, c'est pas possible, c'est pas résolvable ça. Non, mais j'ai pas levé les, donc je peux pas. Ça marche pas cette histoire de cercle bleu. Non, je l'ai pas utilisé le premier. Ok, ça je peux pas. Ça je peux là. Ok. Là je peux. Non, je peux pas, je peux à côté. Ah, Kratu arrive enfin. Kratu est là, ok. Coucou, j'arrive. Ouais, mais j'ai eu ton petit message. Mais en tout cas, je suis content de te voir. Je termine dans deux minutes. Je stream un petit Starfield. Ben, en fait, j'ai essayé de faire tout Starfield en stream. Comme ça, les gens auront 100% de mon run en stream. Ouais, on va voir si je peux tenir. Sécurité de Néon, je vous arrête. Quoi encore? Putain, ça me coûte une fortune. Vous êtes moins bête que vous en avez l'air. Là, je nourris le gouvernement en payant des amendes. Hein. Ah, tu vois, moins 740 pénalités d'expérience parce que j'ai eu 7 jours de. Donc, tu vois, t'as une vraie pénalité en fait. J'espère que mon tour de garde s'est terminé. C'est le fonctionnement classique des Elder Scrolls. Salut, Tsubaseya. Alors, eh bien écoutez, comme Kratu vient de rentrer, je suis obligé de vous dire au revoir, mais on a quand même fait un stream de 2h38, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai beaucoup dormi, j'étais un peu réveillé, j'étais pas bien réveillé, on a un peu parlé Game of Thrones. Mais je pense que demain je vais faire un bon stream de débrief sur les épisodes 1 et 2 de Game of Thrones, si j'ai le temps. Et je vous remercie Bakota, Morina, tout le monde d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Et j'allais dire je vous aime de tout mon cœur, mais n'exagérons pas non plus, je suis crevé, c'est pour ça que j'ai le temps de donner de l'amour. Je pense à vous, et puis merci d'avoir